bienvenue dans Rapside. On est samedi, il est 21h30 et jusqu'à 23h, c'est bang bang gang gang sur IRM.radio, en live sur Twitch et évidemment sur C-Direct. Alors c'est comment la famille, ça va ou quoi? Ça va. Oh non, moi j'aime pas, non, ça c'est des ça va de confinement, est-ce que ça va ou pas? Ouais, voilà, quand même, attendez, on n'est pas méchant. N'importe qui. Bon, vous le savez, on est là ensemble toute la soirée. Vous pouvez, enfin au moins jusqu'à 23h, vous pouvez réagir avec nous en live sur Twitch. Vous laissez des petits messages. Le numéro de téléphone, comme toujours, mon équipe bancale, pas de numéro sous là. Alors, tu vas le dire, James, le numéro c'est... Alors, vous pouvez nous appeler au 07 71 58 62 68. Je répète. Vous pouvez nous joindre au 07 71 58 62 68 en direct pour poser des questions, entre autres à Traficanté ce soir qui est avec nous. Voilà. Mais avant tout, je vous présente mon équipe de choc. Comme tous les samedis, ils sont là avec moi. J'ai dit Lolo, c'est de l'eau. En tout cas, elle a pas blagué aujourd'hui. Hein, Lolo, t'es toute fraîche là. C'est comment? En tout c'est cas, très, très court. Il est là. En tout cas, on a James avec nous aussi. Yeah. Hello tout le monde. Et bien sûr, Eleonore. Et vous le savez maintenant, vous qui suivez l'émission, vous qui êtes à Paris, si vous souhaitez venir autour de la table avec nous, il faut nous écrire. On va voir, on va faire casting. Si vous êtes mignon, ça va. Si vous êtes chocolat, ça va. Ce soir, elle a passé le casting. Elle est avec nous. Elle va faire le blind test avec nous. Elle s'appelle Faïza. Faites du bruit pour elle. Et puis, il y a aussi une ancienne qui est là-bas dans le coin, Belisa. Elle était là. Belisa. Et bien sûr, tout le reste, le gangli, ils sont arrivés, ils sont là, ils viennent du 9-1, ils sont avec nous ce soir, c'est comment? On est là. Vous connaissez Charo. Ici, on a le plus emblématique des charognards du 91. Il est là, il fait son retour et en exclusivité, il est là pour nous sur IRM.radio. J'ai dit, Traficanté est avec nous. Gangli, méchant. C'est comment? On est là, ça va et toi? On est là, bah ça va, méchant. Hein. On est là. Ça fait plaisir de retrouver toute l'équipe en tout cas. Ah bah franchement, t'as la maison ici. Hein. Ouais, je vois ça. En tout cas, si vous n'habitez pas la planète Terre, pour ceux qui ne connaissent pas Traficanté, c'est ça, DJ RG, balance le son. Yeah. Bang, gang. Hey! Ouh! Un peu de son, hey! Ok. Yes. Guy! Charon. Hey. Traficanté. Wouh! Traficanté. Hey. Enfin sorti. En pleine sortie. Pas de conduit. Plus de son prix. Je reprends mon bis. Dans la queue droite et les putes. Mon casier est long. Hey. Putain, pas que dans la stu. Appel manqué. Appel masqué. J'suis trop boosté dans la piste. Les keufs connaissent. Ok. On vous a dit quoi? Traficanté. Et de sortie, non, il est là. En tout cas, franchement, un grand merci parce que franchement, la dernière fois tu es venu, on recevait Don Diego qui est là aussi. Il était là tout en subtil. Comment on dit subtilité? Voilà, subtilité. Il était là, il avait ses lunettes, il faisait des. Voilà, tu vois, il faisait la gestuelle et du coup Traficanté la va accompagner et franchement il nous a fait ce plaisir d'être avec nous ce soir. Vraiment, on est ravis de te recevoir. Franchement, de même, le plaisir de partager, c'est réciproque. Qui fait sonner les portables ici comme ça? En tout cas, donc tu vas nous parler de tes projets, tu vas nous dire pourquoi tu as été si absent, parce que moi franchement, bon, moi je connais Traficanté, bien sûr on le connaît avec le Charo, Gang, avec Niska, tout ça, mais aujourd'hui nous on n'est pas là pour ça, on est là pour lui, parce que Traficanté c'est un pur artiste, il est revenu avec une autre direction artistique. Pour ceux qui connaissaient ce qu'il faisait avant, là, franchement, c'est lourd. On est dans le Dooney, hein, ce soir, on en tout cas. On est dans l'enjaillement, quoi. Mais vous le savez, toutes les semaines, on a aussi une personne qui est avec nous par Skype. Alors, cette personne, je l'ai sélectionnée cette semaine. Vous écouterez tout à l'heure la sélection de la semaine. Il s'appelle Gadelouya. Voilà. Donc, on va savoir s'il est là avec nous. Est-ce qu'il est là avec nous? Il est là. Salut. Non, donc, toi, tu as sorti le piano, tout comme ça, hein. Comment ça va? Moi ça va, je suis dans ma chambre et j'ai un mini studio chez moi. Ah bah voilà, c'est ça. Ouais, en tout cas, on est ravis de te recevoir. Je te présente Traficanté, Gadelouya. Voilà, enchanté, donc c'est la sélection de la semaine.
Alors, la petite anecdote, c'est que vous savez que je sélectionne des gens, en fait, qui sont en Afrique. Donc, lui, il m'a envoyé son son. Il m'a dit, est-ce que je peux être dans la sélection de la semaine? J'ai dit oui. Donc, moi, je n'ai pas cherché à comprendre. Tu sais, je n'ai pas le temps d'aller sur les profils et tout. Moi, pour moi, il était en Afrique. Mais en fait, le gars, il est en France. Donc, mais j'ai dit, ce n'est pas grave. Tu vas quand même venir par Skype. Et puis, on le recevra en tant qu'artiste ici. Parce que voilà, on préfère quand même avoir les artistes avec nous sur place. Hein? Gang ou pas? Gang. Donc, tu restes avec nous. Alors, ce soir, évidemment, on aura la fierté des nôtres. Hein, la chronique de notre Lolo, c'est de l'eau. On aura les petites analyses de James. On aura évidemment le blind test que là. On ne sait pas, c'est Faïza qui l'a préparé. Franchement, j'espère qu'elle nous a sorti du son lourd. Et puis, bien sûr, le légendaire fit ou pas fit. Il y a fit ou il n'y a pas fit. Ma fille, tu te rappelles la dernière fois, on t'a pris en surprise un peu. Est-ce que là, tu t'es préparé? Ils m'ont fait une entourloupe. Est-ce que là, tu t'es préparé? Voilà, je suis préparé là, ça va. Bon, bah, ça va. Alors, évidemment, on est toujours en direct sur IRM.radio, en live sur Twitch, évidemment, sur CIDirect. Et comme nous sommes mal polis dans cette émission, on oublie toujours de présenter celui qui fait tout le travail. C'est DJ RJ. Oui. Bang bang. Je suis plus masqué, démasqué. C'est ça. Alors Trafic, dis-nous, parce que là franchement, on n'a qu'une question déjà qui nous vient en tête. C'est t'étais passé où, frère? T'étais où? Comment ça se fait qu'on t'a plus vu? Quand t'es venu, tu nous as mis l'eau à la bouche et puis du jour au lendemain, on t'a plus vu. C'est quoi? C'est t'as voulu nous la faire à la Biggie et Tupac? C'est quoi? C'est non, explique pas la Biggie et Tupac. Sinon tu serais pas là. Ah bah oui, sinon je serais pas là. Non, franchement, j'étais pas là, voilà, pour des raisons déjà personnelles. Ouais. Il m'a écarté un peu de la musique. Et après, je suis revenu avec mon équipe. J'ai dû me refaire déjà une équipe, tout ça. Bien sûr. Préparer mes sons, savoir ce que je voulais faire et tout. Et voilà, cette année, j'ai pu balancer un extrait de Trapilingo. Trapilingo qui est disponible. Hein. Ouais, il y a le clip qui tourne. Franchement, le morceau est lourd. Vous avez entendu un petit extrait. En tout cas, de toute façon, on ne va pas attendre trop longtemps avant qu'il nous balance ça parce qu'on va se mettre dans le flow directement. Direct. Mais en tout cas, je le redis parce que moi, c'est un artiste que j'aime beaucoup. La vérité, déjà, je l'ai connu parce que j'avais un fils qui n'arrêtait pas de me chanter la fameuse chanson. Voilà, vous connaissez. Hein. Mais franchement, je trouve que tu as un artiste vraiment qui... en fait, qui mérite vraiment d'être découvert, mais dans son univers. Et moi, c'est ce qui m'a plu là, dans la façon dont tu es revenu, c'est que là, tu reviens avec ton univers. Et ton univers, il est chaud. Franchement, il est chaud. Merci, en plus, merci. Il est sexy, hein, il y a des petits tablets de chocolat. On a envie de douiller avec lui. En tout cas, ce que je propose, vous savez quoi, c'est qu'on se mette directement dans le vif du sujet. Yes. On va se balancer Trapilingo, d'accord, c'est ça? Trapilingo. Trapilingo. Pourquoi Trapilingo d'ailleurs? Trapilingo, parce que déjà, je suis dans la trappe. Mm-hmm. Après. On pie, la pie c'est on boit, que ce soit de l'eau. 91, ils ont leur langage. Vous avez votre expression. Voilà, t'as capté. La trappe, on pie et on est dans le bendo. On est, tu connais. Trapi. En fait, c'est strict. De base, c'est trapi bendo, mais après, trapi lingo, tu vois, lingo, parce qu'on m'appelle comme ça aussi. Lingo, lingo. Ok, voilà, d'accord, il n'y a pas de souci. Alors, on va se balancer déjà le premier son. Et vous savez quoi? Franchement, j'ai envie qu'on lui fasse franchement un accueil de folie. Il faut que tu nous mettes dans. Hey, t'as vu, on est fragilisés, nous, les filles. Confinement, on ne peut plus aller en boîte. Donc, quand il y a les garçons qui arrivent ici, on est un peu fragilisés. Donc, il faut bien nous mettre dans l'ambiance, d'accord? Donc, DJ RJ, balance-nous le son. On meurt tous les chiffres. Non, faut remettre le son, faut nous remettre ça au début. On va pull up. Est-ce que vous êtes là ce soir? Il est avec nous ce soir, il fait son retour, c'est Trafic, méchant. C'est par ici le trafic. Ganglé. Si, c'est Gangli, ils sont là avec nous. 91 représente. Bang, bang, gang, gang. Aïe. Wouh. Ok. Dabala. Un peu de son, DJ RJ. Ok. Trafic quinté. Enfin sorti. En pleine sortie. Pas de zombie. Je revois mon bis dans la guédron et les putes. Mon casier est long. Putain, pas que dans la stupe. Appel manqué. Appel masqué. J'suis trop busté dans ma puce. Les keufs connaissent. Putain, respecte ma répute. On vit, on meurt pour les chiffres. Juste 2 heures avant. J'avais pas. Combien d'années on a fait? On a charbonné. Trafic dans Rap Side ce soir. Ça fait pas rêver. Boule de cristal. Depuis que dans le bain. Trapilingo dans la place, on fait plus de dab, tu connais. Dans le bain, tu connais. Trapilingo dans la place, on fait plus de dab, tu connais. Double. Hey. On veut que des braves. Y'aura pas d'alliance. Gougou et Freezer, j'fais du mal de temps en temps. On est 10 dans le van, respecte-moi, j'suis l'attaquant. Hey.
pull-up. Si tu carottes, on te chicote. Plus une méthode. Faut faire les bagues derrière là. Vous connaissez pas ou pas? C'est toi, vas-y, boss. Bats les couilles de la Porsche. Je préfère finir en tank. J'ai tout ce qu'il faut dans ma poche. Trafic Quinté dans Rap Side ce soir. C'est le feu. Est-ce que vous êtes là ce soir dans Rap Side? Oh, ok. Papi Lingo, Depuis le jour dans la place, on fait plus de dates, tu connais. Depuis toujours dans le bank, tu connais. Trappi Lingo dans la place, on fait plus de dates, tu connais. On veut que des braves, y'en a pas d'alliance. Quand Boubou et Fizer, j'fais du mal de temps en temps. On est juste dans le van, respecte moi, j'suis l'attaquant. Trafic Quinté, et dans Rap Side, 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 et pour la peine, on va te faire un petit dab pour la femme, même si on n'en fait plus. Gangli, Gangli, Gangli. Gangli, ils sont la neuf, ils vont tout retourner dans le studio de Rafa. Méchant, méchant, non, méchant. Trafiquanté dans Rafa. Méchant, méchant. Aïe, aïe, aïe. Méchant, méchant. Plus de sang-pris. Non, elle est partie, elle est partie. Non, elle est partie, là. Moi, je vais même lancer un challenge twerk sur cette chanson. On va twerker dessus, en tout cas. Eh, c'est comment, Faïza, ça va ou quoi? Ça va très bien, et toi? Ça va, écoute. Est-ce que toi, tu connaissais Trafic Quinté? Bien sûr. Bien sûr, avec Niska, le premier son qu'il a fait. Donc oui, on se souvient très bien de lui. C'est vrai qu'on l'attendait, hein, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu, donc on est content quand même de te retrouver. Et surtout, ce son, il est juste énorme. Non, il est énorme. Franchement, c'est un son merci, que t'as envie de sauter. Tu sais, t'as envie de sauter. Même là, j'ai mis les talons petits, mais t'as envie de faire la caillère. T'as pas envie de sauter, t'as envie de twerker. Toi, commencer. Toi, t'aimes trop twerker ici. T'aimes trop twerker ici. Ça veut dire que je valide. Le challenge du twerk va se lancer plutôt près. Bravo, bravo. Alors, on va essayer d'en savoir un petit peu plus sur toi. Mais je me tourne vers toi, Gadelouia, t'es toujours avec nous? Ouais, je suis là. Ok, alors toi, t'es un artiste. Explique-nous un peu d'où tu viens, comment ça se passe pour toi, la musique, ça vient comment? Explique-nous un peu. Alors, mon nom de scène, c'est Gadelouia. D'ailleurs, les gens se demandent, quand ils écoutent mes sons, ils voient Gadelouia, ils se posent la question de savoir où est Louia. En fait, Gadelouia, c'est une seule personne, c'est moi. Et je suis du Congo. Congo, Brazza. Ouais, du Congo. Et j'ai eu des influences musicales un peu hip-hop et je suis passé par Cuba pour des études. Ouais. Et donc, j'ai aussi une culture un peu cubaine. Et ma musique, elle se résume à ce mélange-là, la musique afro, un peu le style cubain, donc la salsa, le reggaeton et le hip-hop. Voilà, en fait, pour résumer. Eh ben, c'est cool tout ça. En tout cas, à Cuba, là-bas, ça twerk aussi, hein. En tout cas. Mais alors, les artistes comme Trafic Quinté, c'est des artistes que tu écoutes, c'est des artistes qui t'influencent, dont tu aimes bien la musique? Ouais. J'avoue que je savais pas avant. Et c'est un artiste que j'ai découvert, Trafic Quinté, dernièrement sur la page de Niska, je pense qu'il avait posté. Et c'est là que j'ai vu, je dis, mais putain, il est chaud le gars. Et tout. Il est méchant, méchant. Ouais, super chaud. Si, bien vu, Gadelouia. Et j'ai écouté les derniers sons et j'ai grave kiffé. Merci, merci. Alors dis-moi, Trafic, parce que déjà, moi j'aimerais savoir déjà pourquoi Trafic Quinté. Pourquoi Trafic Quinté? Non, déjà, c'était pas ça mon blaze. Ouais, c'était quoi? Mon pseudonyme, c'était pas ça déjà de base. C'était Lastor. Mais c'était plus jeune, c'était plus enfantin. C'est-à-dire qu'après, avec le temps et tout. Il y a un de mes gars ici présent, tu connais, qui est là. Il m'appelait, ouais, Trafic Quinté, comme ça. Après, avec le temps, j'ai gardé, voilà, tout simplement. Ouais. Moi, je pensais que t'aidais les gens à connaître le trafic du Quinté. Ah. Je sais pas, moi, je me suis dit. Ah. Ou alors, je me suis dit, peut-être c'est un jeu de mots, non, je sais après, pas. Tu connais, comment on va dire, il y a la version officielle et officieuse. Et ok, oui, tu connais alors... dans la street, c'est-à-dire, il doit toujours avoir des queues trues avant, tout ça. Tu vois, là, il y a des, ça. Des petits bonbons. Comme des voilà, bonbons, des bonbons. Tu vas bien manger. Des chocolats. Tu penses que Trafic quoi, là, en ce moment? Trafic le son, le flow, les punchline, voilà ce qui trafique. Alors moi, j'aimerais savoir, quand on s'absente comme ça un petit peu longtemps, surtout que moi, j'ai eu l'impression, en fait, en plus que tu t'es absenté à un moment où tu allais complètement exploser. Ouais, c'est ça. Donc, tu nous as dit, c'est des choix personnels.
Mais est-ce que c'est pas risqué ensuite de revenir? Parce que effectivement, tout le monde le dit, on en a parlé au début. On t'associe déjà avec une personne qui est Niska parce que vous avez commencé ensemble. C'est quelqu'un qui lui a continué son petit bout de chemin, qui a plutôt bien réussi. Est-ce que c'est pas compliqué comme ça de revenir? Parce que la musique, on sait, ça change, ça évolue. Est-ce que c'est pas compliqué de revenir et du coup d'être, de se dissocier dans un groupe qui a été si, en tout cas, si identifiable? Ouais, bah déjà, en fait, il y a eu aussi des faits de vie, tu vois, qui ont fait que j'ai arrêté. Parce que certes, que je t'ai dit, il y a eu des raisons personnelles, mais il y a eu des faits de vie que j'ai pas pu empêcher, tu vois. D'accord. Ça fait que j'étais obligé d'être absent pendant un moment. Après, par rapport à l'image, tout ce que tu me disais, tout ça, de se détacher, tout ça, bah moi, je suis fier de faire partie de Charo, tu vois. C'est mon identité, tu vois. Ça veut dire que ça va me suivre avec le temps, tu vois. Quand tu regardes juste les millions de vues, ça peut, c'est un classique maintenant, tu vois. Bien sûr. Ça fait que, voilà, par rapport à ça, j'essaie juste de créer mon univers, comme tu dis, plus me montrer, balancer plus de sons aussi. Et arrêter de faire patienter les gens. Et la fanbase, elle est fidèle. T'as retrouvé les mêmes, le même engouement? Est-ce qu'il y a, ou alors t'as trouvé que c'était un peu, ça s'était éteint, un peu éteint? Est-ce que t'as dû faire beaucoup d'efforts ou est-ce que dès que t'es revenu, en fait, le public t'a ouvert les bras comme au départ? Bah après, moi je me focalise pas trop sur ça, tu vois. Pour s'il y a beaucoup de gens qui me suivent ou pas, je sais qu'il y a, il y a des gens qui me suivent, tu vois. Et ouais. Je suis reconnaissant, tu vois. Déjà, même moi, je suis un peu réservé déjà dans la vie de tous les jours. Ça veut dire que de savoir tout ça, tu vois, ça va. Je sais que voilà, il y a un public quand même qui est là. Je suis reconnaissant, tu vois. C'est, ils sont là, tu vois. Même quand je balance mes derniers sons, ils sont réceptifs, ils partagent. Je vois. Alors, tout l'amour. Tout l'amour. Voilà. Mais alors, le choix, parce que tu as dit, tu es revenu, tu as dû refaire une équipe, tu as dû reconstituer une équipe. Et ici, c'est vrai qu'on donne beaucoup de conseils. C'est vrai que l'équipe, l'entourage, c'est très important. C'est très important d'avoir une équipe. Une bonne équipe qui est là, qui est équilibrée et qui sait vraiment où tu vas. Est-ce que ça a été compliqué ou est-ce que tout de suite, c'est toi qui es allé vers les gens, vers ces personnes-là, vers ton équipe, ou c'est eux qui sont venus vers toi? En disant, voilà, on a attendu pendant que tu n'étais pas là, on a réfléchi à ce qu'on pouvait faire. Est-ce que là, vous avez une vraie stratégie là? Bah déjà, si tu veux savoir, en fait, ces personnes-là, ils ont toujours été avec moi parce que déjà, c'est des amis d'enfance, tu vois. Mmh. Après, c'est juste que pendant un moment, j'étais... on va dire concentré plus en mode solo. Ouais. Et j'ai pas vraiment accepté le fait de me mettre en équipe, on va dire. J'étais pas prêt, on va dire ça comme ça. Bah après, quand j'ai décidé de me relancer et tout, on s'est parlé, on a trouvé la stratégie, comme tu dis, comment avancer. Pourquoi t'aimes pas être en équipe? C'est quoi? C'est le fait d'être dirigé? C'est le fait d'avoir des gens qui te disent quoi faire? Non, c'est pas que j'aime pas, c'est que juste à une période, y avait pas. D'accord. Tu vois. C'est juste ça. D'accord. Et alors, Gad Elouya, je me tourne vers toi. Toi, alors, je vois que tu as déjà un synthé devant toi. Ça veut dire qu'en fait, tu es musicien toi-même? Oui, c'est ça. Je fais du piano, du beatmaking et de la guitare également. Donc, du coup, tu fais tout seul derrière, là. Tu fais tout seul ou est-ce que tu es entouré également? Bon, entouré, pas vraiment, mais j'ai des potes avec qui je taffe. D'accord. C'est les potes qui me donnent un coup de main. Ouais. Alors, moi, j'entends beaucoup d'artistes quand ils font des interviews, quand ils ont un peu percé, comme on dit ici, qui parlent de l'entourage, de dire en fait, qui disent clairement que c'est un très mauvais choix de s'entourer de ses potes. Parce qu'en réalité, ce n'est pas la meilleure chose qu'un artiste puisse avoir d'être entouré. Toi, tu parlais de tes potes d'enfance, lui aussi, il en parle. Est-ce que c'est un réel bon choix? Bah après, il faut se dire que. Déjà, ça ne va pas être tous tes potes, on ne va pas être les 20, tu vois. Ça va être sauf deux, dans trois. L'équipe, quoi. Voilà, sauf dans l'équipe, tu vois. Après, ça va être 2-3 et après, ça dépend. Chacun a sa façon d'être avec la personne, tu vois. Si tu t'entends bien avec tes potes, tu vois, il n'y a pas de raison pour que ça ne marche pas. Il faut juste mettre les choses au clair et que déjà, ton pote, il croit en toi et que, voilà, vous savez où vous y allez, quoi, où vous allez. Et sinon, tes influences, c'est quoi, Trafikant? Moi? Ouais, quel artiste t'a influencé? Quand tu l'as vu, tu t'es dit, voilà, moi, j'ai envie de faire comme lui. Bah, c'est mon grand frère. Ton grand frère? Ouais. C'est qui ton grand frère? Liwood. Liwood? Ouais. Ok, donc il était rappeur aussi? Ouais, rappeur. C'était le premier rappeur de la famille. Et alors, du coup, tu l'as vu et t'as voulu faire pareil, quoi. Ouais, bah, il était là, à la maison, on dormait dans la même chambre, tu vois, il rappait, il faisait ses sons. Ça veut dire que j'étais le premier fan, on va dire. C'est normal, tu vois. Ça veut dire que ouais, je me suis dit que j'allais faire ça quand même.
Alors, je vois que de plus en plus, parce qu'avant, c'était un peu tabou, hein, le rap et tout. C'est-à-dire, quand tu disais, je veux faire du rap, déjà, la famille, bon, voilà, les darons, c'était mort, ça passait pas. Mais je vois que de plus en plus d'artistes nous disent qu'ils sont entourés par leur famille. Et ça, je sais pas, toi, Gadeluya, si ta famille te soutient dans ta démarche artistique. Wow, ma famille, pas vraiment, parce que moi, je viens d'une famille où les gens font des sciences. D'accord. Ils ont toujours voulu que je fasse science, que je fasse médecine. Et, donc pour eux, t'es un saltimbanque, quoi. T'es un griot, quoi. Ouais, je suis un petit voyou, je sais pas. Je suis des parents, donc voilà, c'est peut-être ma mère qui essaie un tout petit peu de m'épauler, mais pas mon daron. T'inquiète pas, quand tu vas commencer à ramener l'argent, dis, c'est mon fils que vous voyez là-bas, c'est lui là, t'inquiète pas. En tout cas. Moi, je trouve ça intéressant d'avoir un petit peu le parcours, parce que c'est vrai que t'es un peu énigmatique comme artiste. Hein. Non, mais c'est vrai, parce que tu le vois, mais t'arrives pas vraiment à définir. En fait, quand on te voit là, t'es tout calme, c'est vrai, t'es tout timide et tout ça, mais par exemple, quand on te voit dans un clip, on se dit, voilà, le mec, il est dans le bendo, comme tu disais, tu parles beaucoup de trafic, tu parles beaucoup d'argent, je vois sur ton Insta, ça balance des billets sur des pites, ça met des colliers gangli sur des pites. Est-ce qu'il y a une part de vérité dans ce que tu montres ou est-ce que c'est vraiment que de l'ego trip et de la fiction, quoi ? Non, il y a toujours une part de vérité. C'est plus ça même qui fait qu'on est là, que là je peux me lâcher, que dans les clips je suis comme ça. C'est que voilà, tout autour de moi en fait, il faut savoir que c'est une équipe, tu vois. C'est-à-dire, il n'y a pas que moi. Derrière, il y a un tel, il y a un tel, il y a un tel. Donc, toute cette équipe, elle est réelle. Donc, c'est que... Et le Pete aussi fait partie de l'équipe. Il fait partie de l'équipe. Il a son Insta. Allez, follow, non, sérieux, ouais, sérieux. Ah ouais, c'est quoi? Sérieux, c'est quoi son Insta? C'est Thanos. Thanos, faut aller suivre Thanos. C'est le Gangly Dog. Gangly Dog, ok. Yes. Alors, vous le savez tout à l'heure, donc on est toujours en direct sur IRM.radio, on live sur Twitch et évidemment sur ces directs. Je ne sais pas si James peut nous dire s'il y a déjà du monde sur le chat. Il y a beaucoup de monde même sur le chat, il y a beaucoup de réactions. Alors vas-y, dis-nous. Il y a Umoja qui nous fait un coucou. Umoja, bang bang, elle est là tous les samedis. Voilà, il y a aussi Nina qui nous fait un grand Nina. Coucou. Nina. Toujours présente, merci Nina. On a également, alors, Paradise qui nous demande d'arrêter d'enterrer Lio. Lioud. Ah, d'enterrer. Ah, bah. C'est Kissy Paradise, bien sûr. Ah, il était avec nous. Il nous a ramené Zetsu, Jody Reaper. Et il nous envoie que des bons gars. Il nous a envoyé Don Diego. Et en fait, ouais, il dit d'arrêter d'enterrer le grand frère, c'est ça? Ben oui. On va. Bon, on l'enterre pas puisqu'on lui rend honneur. Il dit que c'est grâce à lui qu'il est arrivé là. Donc, on l'a pas enterré. T'inquiète, Kissy. Tout à fait. Bah voilà, donc les gens sont là, les réactions sont là. DJ Daya aussi envoie une grande force. DJ Daya, bang bang. Alors moi, ce que je voulais savoir, James, tu sais que James, il est ici, il a intégré l'équipe. En fait, James, il est directeur artistique, il dirige des artistes. De toute façon, t'as écouté un peu ce que fait Gadeluya, t'as écouté aussi ce que fait Trafic Inté. Tout à fait. Qu'est-ce qu'il en est ressorti pour toi, à tes yeux, à tes oreilles surtout? Ben, je découvre des artistes frais qui ont des choses à raconter, comme les artistes Rapside, invités par Rapside. J'aurais quand même une petite question pour toi, Trafic. Depuis tes débuts, en fait, j'ai écouté un petit peu ce que tu as fait et ton évolution. Et je remarque quand même que tu as une très très bonne voix et un souci à la note. Donc j'aimerais savoir si durant ton parcours, tu as pris des cours de chant, puisque je vois que tu réalises toi-même tes refrains et que tu insistes pour pouvoir faire les choses correctement. Non, déjà, j'ai pas pris de cours de chant. Après, je pense que chacun sait chanter, tu vois. Tout le monde a un petit talent comme ça, tu vois. Oui. Après, un petit timbre, en tout cas. Un petit timbre. Après, il faut juste pas être timide devant le micro et voilà, se laisser. Mais t'as vraiment le souci de la note. Hein. J'ai écouté, ouais, effectivement. Et même tout à l'heure, dans ta prestation, tu faisais en sorte de refaire tes bacs. Il est vraiment à fond dessus. C'est bien, ça. Voilà. Tu as disparu pendant un petit moment. Tu disais donc par rapport à des raisons personnelles. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une émancipation derrière tout ça aujourd'hui. Tu reviens comment? Bah, avec tout ça, ça m'a renforcé. En tout cas, je sais où je vais aller. D'accord. Ce que je vais faire, mes objectifs. Et là, j'ai que envie de les atteindre et revenir plus fort. On te sent motivé, là. Ouais, grave. Ah, voilà. Alors, peut-être que tu as une question aussi pour Gadeluya. Parce que toi, vu que tu fais du piano, ça veut dire que bah, alors, le souci à la note, tu connais le solfège. Donc, est-ce que c'est quelque chose que tu voulais absolument intégrer dans ta musique, de savoir, enfin, de connaître la musique, de l'étudier? Oh, pas vraiment. Moi, je pense que j'ai appris du piano quand j'étais tout petit. D'accord. Et c'était dans une église, déjà. Donc, okay. C'est pas vraiment un instrument que je souhaitais apprendre. Je l'ai appris parce que j'étais à l'école de dimanche et on voulait former des enfants de l'école de dimanche. Donc, j'en ai profité. Okay. Après, c'est vrai que quand on joue d'un instrument de musique, ça peut quelquefois aider.
à composer, à trouver des mélodies. Je trouve que c'est un peu plus fluide que pour un chanteur qui ne sait pas composer, enfin qui ne sait pas jouer d'un instrument de musique. D'accord. Alors on écoutera ton morceau tout à l'heure, c'est Quartier, c'est ça, c'est en tout cas on va écouter sa chanson tout à l'heure. Moi j'ai bien aimé. C'est un peu différent de ce qu'on écoute d'habitude parce qu'ici c'est vraiment plutôt centré sur le rap, mais là j'ai aimé l'univers. Je trouve qu'il a une bonne voix parce que je remarque aussi qu'on a de plus en plus de bons chanteurs ici, en tout cas dans Rapside, on a des bons chanteurs, on a des bons franchement des belles mélodies. De bonnes oreilles. Ouais, de bonnes oreilles. Donc ça fait plaisir franchement. Alors, est-ce que vous êtes toujours là d'ailleurs dans Rapside? Yeah! Oh, vous savez, ici, c'est comme dans l'église. On doit dire, c'est comme si vous disiez Amen, Alléluia. Est-ce que vous êtes là dans Rapside? C'est ça! Méchant, méchant. Méchant, en tout cas. Alors, ce que je propose, hein, d'ailleurs, c'est qu'on lance le blind test. Parce qu'ici, le blind test, c'est un moment, comment dire, mythique. Tout est mythique ici, de toute façon. Tout est mythique. Donc, tu vas un peu nous expliquer. Alors, le blind test, vous connaissez le principe, évidemment. On met une musique, vous essayez de retrouver le nom ou le titre de la personne. Mais là, en fait, je vais demander de faire un blind test dans l'esprit de Rapside, un peu de nous faire des sons à l'ancienne qui ont marqué l'histoire du hip-hop, soit Quinry, soit français. Donc, elle a fait son blind test, elle a fait ses morceaux. Donc, on va jouer. J'invite tout le monde, franchement, à jouer avec nous, à nous rejoindre. Vous écoutez bien. Ceux qui veulent peuvent prendre le casque, comme ça, vous allez mieux entendre. Donc, le principe. D'ailleurs, même, on va faire les équipes, parce que je trouve que vous ne participez pas assez. Viens. Faut venir ici. Faut venir. Tu vas te mettre là, derrière ton poteau, tu prends la chaise, voilà, vous allez faire l'équipe là. Et puis, toi aussi, tu vas être ici. Tu lui souffles à l'oreille, hein. Comme hein, un bon sifflement à l'oreille. Don Diego, t'es avec nous, quoi. Don Diego, toi, tu es déjà à la maison, hein, t'as pris le casque et tout. Belisa, tu connais le blind test, hein. Ah, en tout cas, donc les équipes, bon, on va faire simple, hein. L'équipe méchant. Aujourd'hui, t'es dans une vraie gang, hein. Hein. Et puis, bah, l'équipe chaîne. Il y en a encore au fond là-bas. Oui, mais ils vont entendre, ils vont participer. Vous voulez être où? Tranquille, on est bien là. Ils sont bien, hein. Ouais, ouais. en tout cas, donc. Donc, ça veut dire, il y a l'équipe méchant. Et puis, vous autres, les autres. Les autres. Non, de toute façon, toi, tu participes pas, c'est toi qui as fait le blind test. Donc, moi, je vais être avec vous. Okay. Donc, c'est l'équipe Faiza, phase des phases, tout ça. Non, donc, vous aussi, vous jouez avec nous, hein, vous qui êtes sur IRM.radio, on live sur Twitch et évidemment sur C-Direct. Voilà, donc, on va balancer le son. Soit il faut trouver le titre, soit l'artiste. Si vous avez les deux, bon, bah voilà, c'est encore mieux. Mais avant tout, il faut buzzer. Si vous buzzez pas, ça sert à rien de dire j'ai trouvé, ce sera mort. D'accord? C'est parti, tout le monde a bien compris? Yes. Ok, c'est parti. DJ RG, balance le son. Ici Elliot, featuré Nicole et MC Solar. Ouais, voilà. C'est parti. On va se faire un peu de bouche. Donc, dis-nous, donc c'est Missy Elliott. Et tu récoles. Ça allait trop vite. Et le point, c'est pour nous. L'album. Il est pour nous. Oui, c'est sûr, c'est pour nous. Donc, c'est l'album. L'album, c'est Daryl Ward. Et c'est vrai, comme disait Lolo. Il est sorti 99. Comme disait Lolo, il y a eu le remix à l'époque avec MC Solar. Et à l'époque, c'était lourd. MC Solar avec Missy Elliott, c'était balèze. Et Nicole, très grande chanteuse. Bien sûr. En tout cas, DJ RG, le prochain son. Il faut qu'on trouve le prochain son. Franchement, il faut trouver. C'est pas gommé, sinon. Je sais que ça, c'est un truc qu'on écoutait beaucoup dans le 9-1. Attends, ouais, mais voilà, c'est ça. Balance-toi. C'est pas grave, c'est balance. Réciproque. Et ça faisait. Lève les bras, balance-toi. C'est le rythme de nos voix. Balance-toi. C'est le rythme de nos voix. Lève les bras, balance-toi. Laisse le groove guider tes pas. Lève les bras, balance-toi. C'est le rythme de nos voix. Laisse le groove guider tes pas. Non, c'est trop. Mais les gros. Petite anecdote. Bon. La
tu vois, la fille qui fait les bacs, qui ouais. chante, et ben c'est la présentatrice aujourd'hui qui fait les chœurs dans N'oubliez pas les paroles. Et ben voilà, ça va. Ouais. Et d'accord. je sais qu'en plus, ce genre de rap-là, parce que dans le 9-1, c'était, vous écoutiez ouais, beaucoup ce genre-là. Ouais. Hein. C'est ancien, mais on a écouté, t'inquiète. C'est ça. DJ RG, prochain son. RG. Non, mais il a buzzé avant. Non, il a buzzé. Non, elle a buzzé. Oh, ils ont buzzé. Attends, je vais prendre ça. Ouais. C'est prendre parti. Prochain son. Vas-y, On peut avoir la réponse ou pas parce que j'ai dit Face Evans, on a dit, j'ai dit Face Evans. Donc, attends. Donc, Face Evans, c'est oui, bon. C'est bon, mais le titre. De rien. Parce que tu m'as dit non. Non, le titre, je connais pas. I never knew love like this. Like this. Ouais, elle, t'as vu, elle a dit tout le refrain voilà. comme ça. Elle a dit, il y a bien quelque chose dedans qui va marcher. C'est Love Like This, c'est ça. Il est sorti en 98. Et il n'y a pas un remix avec Big Ali. Mais c'est celui-là, non? C'est avec Fatman Scoop. Non, c'est Fatman Scoop. Même moi, je l'ai confondu avec celui de Big Ali quand même. C'est ça. DJ RG, prochain son. Mythique, la fièvre, donc. Paris sous les bombes, 96. NTM, à l'époque, ça s'appelait Suprême MTM. Des titres qui ne meurent jamais. C'est ça, la suite. Elle est... Vous n'avez même pas trouvé. Vous entendez pas derrière. Non. En tout cas, c'est parti, DJ RG, la prochaine. Meilleur pour la fin. Ah ouais. C'est quoi c'est, ah, là, on a écouté. C'est la chanson de la mort, alors. Non. Non, c'est lui. Dis-nous, dis-nous, c'est quoi? C'est Sly. Oui. C'est des claqués, le titre. Ça frotte. Tout l'amour que j'ai pour toi m'éteint comme une flamme. Et lorsque j'entends ta voix, je frissonne quand tu poses ta main. Au traficanté, ce soir c'est méchant. En tout cas, ça c'est la chanson de la mort en fait. C'est la chanson genre, en fait c'est la chanson que tout le monde, que t'écoutes du hip hop ou pas, en fait, mais on sait qu'on a tous kiffé. On n'est pas dans le rap, mais c'est une chanson qu'on connaît tous. En tout cas, Trafic direct. Hein. Ah, mais c'est comme ça, il frotte le jeu là. Que là, ça tous les gars, ils ont frotté avec ça. Non, mais ça c'est un son que tout le monde connaît. Bien sûr. Est-ce qu'il y avait une autre chanson? Il y en avait une autre, non? Bah, il y a une autre chanson, on va l'écouter. Il y en a plus. Il y en a plus. Il y en a plus. Bon, bah voilà. Elle a dit. Et tu tapes, 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 c'est ta façon d'aimer. Ce refrain qui t'entraîne jusqu'au bout de la nuit, révèle en toi le tourbillon d'amour de folie. Et je chante, je chante, je chante ce soir avec Trafic. Et je tape, 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 c'est méchant, c'est méchant. Est-ce qu'il chante ce soir encore? Oh, c'est pas parce qu'on t'a dit que tu suis la note que tu vas venir, hein, quand même. Moi, j'ai une question. En fait, t'appelles Trafic Inté, mais je vois les gens, ils t'appellent Trafic. Donc, Trafic, c'est pour les intimes, quoi. Voilà, t'inquiète. Ah, ok, donc je peux t'appeler Trafic. Ouais, tu veux. Ah, c'est mon gars. Voilà. Et je voudrais qu'on fasse un gros big up à Faïza parce que franchement, c'est elle qui a fait le blind test. En plus, c'est la première fois qu'elle fait une émission de radio. Donc, franchement, bang bang. Bon, la vérité, c'est qu'il n'y a pas de discipline parce que la vérité, il n'y a même pas de points. T'as compté les points? Oui. Vas-y. On a 5 points, vous 3.
5 points. Toi, t'as même pas parlé, tu dis t'as 5 points. Lui, il a même pas parlé. Il a... Donc, lui, il a... Donc, c'est ton silence que tu as compté, quoi. Le nombre de fois, t'es resté silencieux. Il y en a 3 de ce côté et 2 de l'autre côté. Ah. Bon, bah voilà, le lot, c'est de l'eau. Merci, Laura. En tout cas, donc, un gros big up. Nous sommes toujours en direct sur IRM.radio, en live sur Twitch, évidemment, sur ces directs. Alors, moi, je propose, hein, parce que bon, là, on a essayé de chanter, on a essayé un petit peu, machin. On va encore s'écouter un petit morceau de Trafic Quinté. On va se mettre bien dans l'ambiance parce qu'on est là nous pour le live, tu vois, on n'est pas trop là pour parler, c'est bonne ambiance. Ensuite on va s'écouter aussi la sélection de la semaine, Gadelouya, je voudrais vraiment que vous l'écoutiez. Déjà Gadelouya, est-ce que les morceaux qu'on a fait passer là, t'en connaissais quand même? Oh, quelques-uns. Quelques-uns, comme lequel? En fait j'écoute pas bien la musique. D'accord, ouais. Y a pas de problème. On t'en veut pas. Non, DJ RG, est-ce que c'est normal ça? C'est pas normal. En tout cas, on va se remettre dans l'ambiance. Hein. Surtout, hein, n'hésitez pas à appeler. Nous, on aime bien quand vous appelez. Franchement, ben il y a des fois, ils appellent, ils sont là. Ils sont timides. Appelez-nous. Dites-nous bonsoir. Dites-nous comment on est fraîche ce soir. Dites à Trafic Quinté que vous aimez ses nouvelles locks. Voilà. Que vous aimez son t-shirt. Qu'on est fan de sa musique. On est fan de sa musique. Vous pouvez dites nous appeler. Dites aux frères que vraiment son chignon là est chocolaté. voilà. Et si on regarde tout. Franchement, la prochaine fois que vous venez, il faut m'offrir aussi. Hein. Donc, n'hésitez pas à nous appeler au 07 71 58 62 68. Voilà. Et il y a Nina, la reine Nina, qui a une question pour Quinté. Voilà, c'est ça. Elle a une question en disant, que t'évoque le studio Bunker? Que m'évoque le studio Bunker? Oui. C'est le premier son qu'on a fait qui s'appelle Charo. Voilà. Ah, donc Nina est une connaisseuse, elle connaît le parcours. En tout cas, donc on va se balancer un nouveau son. Qu'est-ce que tu veux nous faire là comme son, Dounia? Dounia, on est parti. Je vais juste dire un truc. Moi, j'ai regardé vraiment le clip parce que bon, faut que j'ai l'air de savoir de quoi je parle, tu vois. Et franchement, c'est pour moi. Alors, tu vois, le premier clip, c'est bon, c'est dans la continuité de ce que tu fais. Mais je trouve que dans Dounia, il y a une espèce d'atmosphère. Une folie, un espèce de... T'as vraiment réussi, je sais pas si c'était ton but quand t'as fait le clip, mais en fait, on est... Je sais pas, c'est comme si on est foncé avec toi, on est là, franchement. Et puis, je vais le dire, parce que c'est rare de trouver ça, en tout cas moi, même si j'aime beaucoup le rap, je t'ai trouvé très sexy dans ce clip. Vraiment, non, vraiment hey, j'ai trouvé qu'il était très sexy et je me suis dit, j'espère qu'il va continuer, pas le fait qu'il soit... En fait, il a un vrai délire et c'est là que j'ai compris qu'il était venu avec autre chose en regardant ce clip-là. Et vraiment, je vous invite à aller le voir. Enfin, tu vas le sortir, il y a quelques images. Le clip n'est pas encore dispo. Il est sorti sur Instagram. Et ben voilà, donc il est sorti sur Instagram. Allez le voir. Comment t'as dit sexy? Non, parce que vraiment, c'est... Non, parce que... C'est sorti du... On a envie d'aller voir. Que... Parce que c'est rare. Parce que d'habitude, les mecs, ils viennent juste pour montrer. Mais là, j'ai trouvé dans la gestuelle... Déjà, on l'avait vu avec... Ils ont une attitude dans le 9-1. On l'avait vu avec Don Diego quand ils faisaient... Et puis là, j'ai trouvé que... Tu sais, ils ont même un moment, ils tirent le t-shirt. Don Diego, on dirait, là, il est dans Matrix et tout. Non, en fait, c'est un clip. Je le trouve très, très beau visuellement à voir. Et je trouve que vraiment, on rentre avec vous dans le délire. Et franchement, bravo. Je sais pas qui l'a... Voilà. Donc, nous, c'est dans notre... pour la régie, c'est tu dis, c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà, c'est tu dis. Donc, on va se le balancer. Et franchement, ça veut dire quoi, Dounia? Dounia, bah, c'est la vie. Dounia, c'est la vie, ouais, c'est ça. C'est le monde dans... C'est la vie, c'est ça. Non, aujourd'hui, on va vivre. On pensait ça, c'était une femme. Ah, c'est monter au-dessus de la personne, c'est vivre. Donc, voilà. En tout cas, Dounia. Enfin non, en fait, le titre, c'est « Tu dis », moi, je dis « Dounia », mais voilà. Donc, Trafic Quinté, il est là avec nous dans Rapside. On est là jusqu'à 23h. C'est le feu, c'est le dangli qui est là. Dans le Dounia, le karma. Non, faut se lever maintenant, faut qu'on danse. Il y a que des fous là. Je vais être dans l'ambiance. Maman a dit papa. Est-ce qu'on peut avoir plus de son? Il était une fois petit, tu vois, j'arrive dans une pièce solo dans le noir. Ouh, tu veux de la frappe, y'a ça, le four est ouvert, tu passes par là. Ouh, la police est fatiguée de nous, ils l'ont pété, on l'a remplacé. Faut bien que je passe à la télé, c'est pour cette année, le gourou a parlé. Dans les tranchées, j'ai besoin de personne, mais sur la poche, je t'emmène ou pas. C'est ça. J'ai des idées pressantes, je me pose des questions sur ce que je ressens. Je dois allumer le feu comme Johnny Hallyday. L'enfer t'a validé, paradis oublié, on a donné son procès. C'est moi qui fais, c'est moi qui crée. Tellement le temps qui passe, l'envie est courte, tu vois. J'suis dans ma Dounia, le Dounia, le Dounia. Y'a que des fous là-bas, y'a que des fous là-bas. Maman a dit papa, c'est Trafic Quinté qui a fait ça. Ouais.
Trafic Quinté, t'es avec nous. Je suis le dernier des calibres t'allumer. On reste poli, mais on n'est pas des anges. Tu vas faire la croix. Je vais faire un tour en enfer, chercher le dernier. Faut faire la croix. On reste poli, mais on n'est pas des anges. Tu vas faire la croix. Eh, moi le temps qui passe. Ok. La vie est courte, tu vois. Je suis dans le dunia, le dunia mal et le dunia. Eh, moi le temps qui passe. La vie est courte, tu vois. Je suis dans le dunia. Le dunia. Eh. C'est moi que tu cherches, t'as vu, je suis là. C'est moi que tu payes. Quand y'a ton sac, c'est moi que tu cherches. Je te dis, je suis là. C'est ça. Quand t'es trappé lingo, c'est moi. Comme 6ix9ine, nickelé, pointeur, comme Merkele, y'a de la bœuf. Eh, dans la gestuelle, tout est dans la gestuelle. Eh, on est des sauvages. On est des sauvages. On sort de la jungle. Ouh, ça soulève comme mes haltères. Oh, oh, oh oui. Tu m'oublies pas. Non, comme celui que t'entends. Bien sûr. 1, 2, 3, j'ai plus d'adversaire. Eh, eh, eh. Comme pour terre et mer, je vendrai terre et mer. Criminel la filière, trop de magouilles financières. J'ai mangé dans les ténèbres, j'y vois clair. Un bénéf pour un canne. Et Léonard, faut qu'on fasse la gestuelle. Tellement le temps qui passe, ça n'est que du vin. J'suis dans le dunia, le dunia, le dunia. Hey, y'a que des temps qui passent. C'est ça, c'est comme ça. J'suis dans le dunia, le dunia, le dunia. Et on est dans le dunia. On va chercher le dunia. Ce soir, on va faire la croix. Faut faire la croix ce soir. Tu fais un tour en enfer, chercher le dernier du calibre t'allumé. On reste poli, mais on n'est pas des anges. Tu vas faire la croix. Bang. T'es mal le temps qui passe. Hey. La vie est courte, tu vois. Ouais. J'suis dans le dunia, le karma, le dunia. Hey. T'es mal le temps qui passe. La vie est courte, tu vois. J'suis dans le dunia, le dunia. J'suis dans le dunia. J'suis dans le dunia. J'suis dans le dunia, le dunia, le dunia. J'suis dans le dunia, c'est pas grave. J'suis dans le dunia. J'suis dans le dunia, le dunia, le dunia. Je vais faire la croix. On va faire la croix. Rapside, ce soir on est dans le dunia avec le Gobli. Bang, bang. Non, cette chanson elle est. On fais-moi un peu la gestion. Vas-y, fais-moi un petit acapella, comme ça je fais la. Comme ça je fais la vaisselle. Vas-y, fais-moi le refrain, comme ça je fais la gestion. T'es mal le temps qui passe, la vie est courte, tu vois. Je suis dans le dunia, le karma, les guéris noirs. T'es mal le temps qui passe, la vie est courte, tu vois. Je suis dans le dunia, le dunia, le dunia. Ah, chouka. Non, le son est lourd. C'est la même voix que sur l'album, attention. C'est ça, c'est, la même voix. C'est ça, c'est pas trafiqué. Même s'il s'appelle Trafiquanté, ouais, mais c'est pas trafiqué. Non, vraiment. Franchement, j'aime beaucoup ce son. Vraiment, j'aime l'ambiance, j'aime le... Tu vois, je t'imagine sur scène, en train de chanter ça devant un public, terrible. Mais les gens, ils deviennent fous. Terrible. Ça, c'est terrible. Franchement, c'est lourd, lourd, lourd. Franchement. Et puis, là, la phase à la Matrix, là, dans Jenga, non, vraiment. En tout cas, non, franchement, il est lourd. Mais pourquoi le bandana sur les yeux? Sur les yeux. Parce que dans le clip, tout le temps, il chante, mais il a un bandana sur les yeux. Nadia, moi, les bandanas, c'est une longue histoire. En fait, j'ai toujours kiffé, tu vois, les bandanas, tu vois. Ok, c'était pour te concentrer. Même pas, c'est, même pas, là, c'est un style. Comme ça, c'est, voilà, peut-être c'est un peu style. Comme elle a dit tout à l'heure, il est timide, t'as vu, il a des lignes. C'est vrai, en plus. Il veut pas qu'on voit son rôle. Non, ouais, le regard, c'est important. Il est timide. En tout cas. Eh bien, on est toujours en direct sur IRM.radio. On va faire la croix, tu vas faire la croix, il a dit. Ça veut dire, il va te plaquer. Après, attends, non, moi, il y a des phases que je retiens. Il a dit, oui, je vais la faire. Il a dit, tu vas faire quoi? La soulève comme les athées. On a dit, on est fragile ici. Il ne faut pas trop dire les choses bizarres. En tout cas, on est toujours en direct sur IRM Paradis. On l'a sur Twitch, évidemment, sur ces directs. Donc, comme je vous l'ai dit, toutes les semaines, je sélectionne un artiste. Donc, c'est Gadelouya, parce que ce n'est pas évident comme ça d'être par Skype et tout. Mais je sais que. Je ne veux pas trop en dire ce soir, je ne veux pas trop qu'il nous dévoile de choses. Je voulais juste déjà qu'il soit avec nous, qu'il passe, nous faire un petit coucou. Et de toute façon, il reviendra nous voir puisque je vais le programmer pour qu'il soit avec nous, puisqu'il est donc en France. Hein, voilà. Il faut dire aux gens, il faut présenter vos pièces d'identité quand vous m'écrivez. Parce que moi, je pense que la sélection, elle vient d'Afrique. Donc, on va s'écouter son morceau. Et si tu veux bien, après, Gadelouya, même si tu ne peux pas être avec nous, j'aimerais que tu nous fasses un petit truc au piano... quelque chose pour qu'on voit un petit peu, pour qu'on ait un petit goût de live de ta voix. C'est possible ou pas? D'accord, avec plaisir. Ok, donc bah, je te laisse présenter ton morceau. Ton morceau donc qu'on va s'écouter, c'est... Alors, c'est Le Quartier. C'est une chanson qui parle d'un enfant assez rebelle qui respecte rien, qui va à l'encontre de l'éducation qu'il a reçue. Comme toi, quoi.
Un tout petit peu. Ok, donc on va s'écouter Le Quartier, c'est Gad et Louia, c'est la sélection de la semaine. Et vous le savez, la règle ici, c'est que quand on écoute un artiste qui n'est pas présent, on se lève pour lui donner la force. Hein, tout le monde dans le studio se lève, on écoute son son et ensuite, voilà, on fera des petits retours. Mais en tout cas, je trouve que c'est une chanson assez originale. Donc voilà, c'est parti, c'est Gad et Louia, Le Quartier. Et... traîne pas trop dans le quartier, traîne pas trop dans le quartier, traîne pas trop dans le quartier. Ok, wow. Mes parents me disaient que c'était mal, mais les grands du bando me disaient que c'était normal. Il fallait donc le faire pour ne pas être anormal. Hey. Papa, maman, pardon, j'ai pas été loyal. J'avoue que je l'ai fait, ce n'était pas fatal. Je voulais juste écouter pour entendre ta voix. Après avoir écouté, j'en suis devenu prisonnier. Je sortais de ma cellule pour aller dans le quartier. Le faire avant le mariage est un péché. En tout cas, au nom du péché. Ok, traîne pas trop dans le quartier. Gad et Louia est avec nous dans Rapside. Léonore, hey, fais du bruit pour Gad et Louia. Hey. Tu déroutes un bon fiston, c'est celui qui écoute. Mais je suis tombé sur une bonasse. Sur une bonasse, il est tombé. En tout cas, toujours, je suis l'homme de cette cour. Et son dos, surtout de son corazon. Oh non, je suis le coco d'elle. Le coco d'elle, je suis le fou. Je suis le coco d'elle. Je suis le coco d'elle. Eh, ça fait, je suis le coco d'elle. Eh, je suis le coco. Vous êtes là ou pas, Rapside? Eh, fais du bruit pour Gad et Louia. Il a dit, traîne pas trop dans le quartier. Eh, tout petit, mes parents me disaient que c'était normal. Mais les grands du Benin me disaient que c'est normal. Il fallait donc le faire pour ne pas être anormal. Papa, maman, pardon, j'ai pas été loyal. J'avoue que je l'ai fait, ce n'est pas fatal. Je voulais juste écouter pour en connaître la morale. Après avoir écouté, je suis devenu prisonnier. Je sortais de ma cellule pour aller dans le quartier. Je suis le coco d'elle. Et tous ensemble, hé, coco d'elle. Je suis le coco d'elle, je suis fou, je suis le coco d'elle, je suis le coco d'elle, je suis fou, je suis le coco d'elle, je suis le coco d'elle, je suis fou, je suis le coco d'elle. Eh, ok, eh, je suis fou, eh, voilà, je suis fou, eh, moi je suis fou, eh, je suis fou, eh, je suis fou, eh, voilà, je suis fou, eh, ok, traîne pas trop dans le quartier, eh. Je suis devenu prisonnier. Eh, Gad et Louia. Eh, Gad et Louia. Eh, Gad et Louia. Eh, Gad et Louia. Eh, ton quartier. Eh, non, y'a la voix, y'a les vibes, y'a tout. Eh, pour mangane lingi, pour mangane lingi, pour mangane lingi. Ok. Pour mangane lingi, pour mangane. Eh, il a dit quoi? Il a dit, traîne pas trop dans le quartier avec moi. Traîne pas trop dans le quartier, encore. Traîne pas trop dans le quartier, encore. Traîne pas trop dans le quartier. Il a dit ah ah. Le coco d'elle, je suis le coco d'elle. Je suis fou, je suis le coco d'elle. Je suis le coco d'elle, je suis fou. Wouh, bravo. Trafic, je t'ai vu t'ambiancer sur le son, il est lourd ou pas? Il est lourd, il y a plein de choses à dire. Il y a un vrai message. Hein. Tu n'as pas été loyal avec maman, c'est ça que tu as dit. C'est ça, en tout cas. Alors, tu sais, comme ce n'est pas évident d'être comme ça par Skype et tout, moi vraiment, quand il y a des musiciens, il faut qu'on en profite. Vraiment, c'est rare d'avoir des musiciens. Donc vraiment, puis je sais qu'Éléonore, toi aussi, tu joues du piano, donc tu vas être sensible à ça. Ouais. Donc je voudrais bien que tu nous fasses un petit truc avec ton piano, que tu nous fasses kiffer. Okay. Donc voilà, on te laisse. Si tu as besoin de deux petites secondes pour te mettre en place, tu nous dis. Sinon, on y va direct. Non, je pense que c'est bon. Ok, donc on y va direct. C'est la séquence émotion. Comme la lumière voyage plus vite que le sang,
Plus vite que le sang, t'as éclairé mon existence que par ta présence. Par ta présence, tu m'as tapé dans le j'en suis devenu aveugle. Devenu aveugle, ma tête en état de choc. Autour de toi, je rôde comme un coq. Fifi, Mimi, ma bibi, j'aime quand tu souris. Fifi, Mimi, t'es ma riri, est-ce que tu le sais? Fifi, t'inquiète pas, je suis pas Chris Brown, je suis comme un agneau. Aïe. Fifi, pour toi, je ferai la peau, car t'es mon amour. Oui, t'es mon amour. Car t'es mon amour. Fifi, sacré Fifi. Oui, t'es mon amour. Ok, merci. Alors, en attendant de te recevoir, alors voilà. Dis-nous, est-ce que cette chanson, alors Fifi, je sais que tu l'as sortie. Ouais. Voilà, donc est-ce qu'on peut te retrouver sur les plateformes de téléchargement? Donne-nous tes réseaux, comme ça on va aller guetter ça, se mettre un petit peu en bouche avant que tu n'arrives ici. Donne-nous tous tes réseaux. Ouais, désolé, il y a le calme qui me gênait là quand je jouais. Donc, t'inquiète pas, on a compris que toi, t'étais pas Chris Brown. Donc, mes réseaux, tu peux me retrouver sur Instagram en tapant Gadelouya, G-A-D-E-L-U-Y-A. Et c'est le même nom que sur toutes les plateformes de streaming. Donc, d'accord. En ce moment, j'ai, comme vous l'avez dit, j'ai sorti Fifi, c'est mon dernier single. Et voilà, écoutez le single, j'espère que vous l'apprécierez. Eh ben écoute, on a déjà apprécié ici, franchement, on a kiffé. Donc on va aller l'écouter, on va donner la force et surtout on va te recevoir ici en direct. On te remercie d'avoir été avec nous ce soir. On te donne une grosse, mais une grosse, grosse, grosse force. Ça a déchiré. Et puis il faut continuer à ne pas être Chris Brown. Non, on n'aime pas les Chris Brown ici. D'accord. On fait un gros big up à Gadelouya et on te retrouve très, très bientôt dans Rapside en direct. Merci à vous, c'est très génial. Ciao, ciao. Et eh ben voilà, comme quoi vraiment dans Rapside, il s'en passe musicien. Des choses. Alors dis-nous, est-ce qu'il y a du monde qui réagit sur les réseaux? Il y a du monde, effectivement. Alors il y a Laura qui fait un coucou à Laura en lui disant « Mais elle est où ma Laura? Elle est où? Elle a disparu, je la vois pas. » Et finalement, elle t'a vu. Bah, bien sûr, c'est difficile de pas la voir quand même. Voilà, il y a Paradise qui voulait savoir donc si le titre de Gadelouya était disponible sur les plateformes. Il y a répondu, donc, voilà. Oui. C'est disponible. On a un petit coucou aussi de Nina, toujours Nina qui est encore là. Ben, coucou Nina. Nina, elle est là maintenant, elle est avec nous le samedi. Nina aussi, hein, qui fait. D'ailleurs, on parlera aussi. D'ailleurs, tiens, puisque Laura est sur le chat, Laura, vous savez, elle présente l'émission Influence sur IRM Radio tous les mercredis et elle reçoit des gens comme ça qui font un peu la mode. Elle nous parle des nouvelles tendances. Elle déshabille les tendances. Voilà, elle a dit, elle déshabille les tendances. Donc, ce serait bien éventuellement de la mettre en contact avec Nina, puisque je sais que Nina a une marque de vêtements. Donc voilà, il faut mettre tous ces gens en contact. Nous, on est là comme ça, on est là pour la marque Nayoshim qui habite très bien les filles sexy. Non, c'est pour nous, quoi. Voilà, c'est on ça. Dis-moi, je sais que les marques, c'est devenu... les artistes, maintenant, on fait beaucoup de business avec les marques. Toi, en fait, tu as le choix. Donc, tu as méchant, tu as gangly. Est-ce que tu as pour ambition de monter quelque chose autour d'une marque? Est-ce que tu as déposé quelque chose? Ouais, bien sûr, que ce soit avec Gangli ou Méchant, qui est la marque de mon frère. D'accord. Après, il y en aura d'autres dans le futur. On ne va pas s'arrêter qu'à ça. D'accord. Ouais. Mais du coup, est-ce qu'on a le temps? Je me dis, est-ce que vous n'avez pas l'impression de toujours, parce que forcément, dès que tu es artiste maintenant, tu sors une marque, dès que tu dis une petite expression, est-ce qu'on n'a pas l'impression, à un moment, en fait, de faire un peu comme tout le monde? Parce que là, je me dis, tu vas sortir une marque, méchant, mais je me dis, bon, qu'est-ce qui va faire que, franchement, je vais plus aller chez toi que, par exemple, chez la marque d'un Booba ou... Qu'est-ce qui va faire la différence? Après, il y a plein de choses pour différencier. Déjà, c'est le style. On ne va pas faire des t-shirts basiques, où tu vois, tu as capté. L'univers de la marque et tout, tu vois. Après, ouais, les modèles. Je pense que c'est ça l'univers, parce que eux, vraiment, quand on regarde leurs clips, ils ont un univers, ils ont un truc qu'il n'y a que eux qui font. Voilà, et qu'on va essayer de retransmettre même dans le textile, tu vois, de tout ce qu'on va essayer de faire. Mais à la base, ça commence quoi? D'une demande de la fanbase? Parce que je sais que des fois, ça commence tout bêtement, en fait. C'est juste que tu aimes bien un artiste, tu prends un t-shirt avec son nom, avec ses expressions. Est-ce que c'est une demande ou est-ce que c'est vraiment quelque chose que tu avais déjà anticipé? La demande, elle se fait naturellement. S'il y a le succès ou si tu vois, les gens ils écoutent, ils voudront des trucs par rapport à toi. Tu vois.
Après, ça, c'est des projets normaux, en fait, que je trouve. C'est dans la continuité, dans en la fait. Dans la continuité, voilà. C'est comme le label que j'ai créé. On a créé un label, Gangli aussi, Gangli Inc. Tu vois, il a été déposé, le label, il est certifié et tout, voilà. Est-ce qu'il y a peut-être que tu vas signer, hein, Lil Girl Flow. Peut-être que tu vas signer chez Gangli. Peut-être que le fit ou pas fit va donner va lieu. Deal, hein, là, on ne sait jamais. En tout cas, c'est tout ce qu'on souhaite. Ouais. Alors, vous savez que tous les samedis, maintenant, on a une rubrique qui s'appelle La fierté des nôtres, qui nous est présentée par la jolie Laura. Donc, elle va vous expliquer elle-même le principe, mais maintenant, elle a un jingle. D'abord, on va lui faire son jingle à elle, qu'elle aime bien qu'on lui fasse. Et puis ensuite, après, on lui mettra le jingle, on va dire, officiel. Donc, c'est parti. Lolo, c'est de l'eau. Eh, Lolo, c'est de l'eau. Eh, Lolo, c'est de l'eau. Lolo, c'est de l'eau. Eh, Lolo, c'est de l'eau. Eh, Lolo, c'est le flow. En tout cas. Et le jingle. Alors, c'est pas du tout. C'est pas du tout ça. C'est la fierté des nôtres, normalement. Mais c'est pas grave, on va dire. Eh ben, de l'eau. Eh, Lolo, c'est de l'eau. Eh, Lolo, c'est de l'eau. Eh, Lolo, c'est de l'eau. Ok. Mais ça, on va laisser parce que je sais qu'après ça, ça. Didier, il faut baisser faux. Voilà. En tout cas, donc, tu vas nous expliquer. Tu vas nous expliquer en quoi consiste donc ta rubrique, hein. Dis-nous, tous les samedis, tu nous parles de la fierté des nôtres. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire déjà que la fierté que le hip-hop, le rap aujourd'hui, il est là où il est aujourd'hui. Des labels comme Gangli, comme plein d'autres, qu'il y a 20 ou 30 ans de ça, c'était très difficile, je pense, pour la génération de ton grand frère. C'est-à-dire c'est des gens qui ont fait des choses. Et en fait, je veux faire un pont entre l'ancienne génération et la nouvelle. Pas dire, parce que souvent, l'ancienne génération, ils aiment bien dire « Ouais, avant, c'était mieux le rap. » Moi, je ne suis pas dans ça. C'est-à-dire, c'est de permettre aux jeunes, la nouvelle génération, de en fait, d'avoir des connaissances sur... Les précurseurs, voilà. D'où vient ça vient. La bagarre qu'il y a eu. Là, tu parles de marque, tu parles de label. La semaine dernière, j'ai fait une chronique sur Lunatic. Et justement, je parlais de ça, je parlais de 45 scientifiques, l'un des premiers labels qui s'est fait parce que personne ne voulait les signer en maison de disque. Donc aujourd'hui, vous n'êtes pas les enfants, hein, je ne sais pas si... Mais en fait, vous êtes les fruits en fait, de tout ça. Donc aujourd'hui, moi, je veux parler d'un groupe de rap qui s'appelle Ministère Hammer. Ministère Hammer. Voilà, donc je ne sais pas si on peut avoir une image. Une petite image pour que vous voyez un petit peu. Peut-être que vous n'allez pas savoir c'est qui. Bon, c'était Tommy Bugsy et... Tommy Bugsy et Passy. Et Passy, bien sûr. Ça veut dire, mec du 95, qu'ils ont fait un label, Secteur A, qui a cartonné de fou. Et comme je disais, à l'époque, en fait, ce qui se faisait, c'est que vous rappez entre potes, vous donnez un peu, vous faites des passe-dés, comme on dit chez nous. Maintenant, aujourd'hui, quand t'as un artiste connu, tu vas pas aller chercher un mec de ton quartier, faire un feat, parce qu'il a pas de buzz, ou « Ah ouais, mais t'as combien de followers ?» et tout. Tu vois, tout à l'heure, tu parlais de base fan. À l'époque, ça se faisait pas. Tu viens d'un quartier, t'es du 9-5, ouais, vas-y, tu paieras, vas-y, viens, allez, on fait croquer. Machin, on est ensemble. Et c'est ça qui a créé le secteur A, Passy, Stomy. On peut avoir un son ou pas? Un petit extrait, on va mettre un petit extrait. Elle nous demande la plus belle des offrandes. Le message est passé. Je dois sacrifier le poulet. Pas de peine, pas de peine. Est-ce que tu le sais? Sacrifice de poulet. Pas de peine, sauf que le poulet repose en peine. Sacrifice de poulet. Pas de peine, sans que parmi l'un de paix. Est-ce que tu le sais? Sacrifice de poulet. Pas de peine, sans que le poulet repose en paix. Est-ce que tu le sais? Sacrifice de poulet. Chanson mythique. Qui s'agite, je vais laisser mes sites. Tout comme autour de moi, les poulets ne viennent pas. Vous prenez des problèmes ou quoi? Vous savez ce que c'est, sacrifice de poulet? Ah oui. Oui. Aujourd'hui, ils auraient chanté ça. S'ils avaient chanté, c'est mort, c'est fini. Ils n'ont plus rien, on ne peut plus. Et en fait, c'est... dans l'album La Haine, la BO de La Haine, qui est un film. Moi, je préfère la BO personnellement que le film, comme je l'ai déjà dit déjà. Donc, Sacrifice les poulets, il y a un autre son là. Si Didier J veut bien le mettre, ça, c'est un son. Tu connaissais quand même Maison Cachée. Ça a tourné comme jamais. Si, La Haine, tout ça. Mais genre Ministère Hammer, tu connaissais? Mon papa à moi et tout là. Oh non, vous êtes arrivés après. Ça, c'est les trucs commerciaux. Il dit mon papa à moi. Genre, ça, c'est les vrais trucs. Ça, c'était vraiment. Elle est pas assez grosse. Partout, moi, les fesses, pour les joints. L-A-S-T-A-R. Cigarette. Écoutez le refrain.
Kratem les Lascar, Lascar de Celsa, Lascar de Jega. Les Kratem les Lascar, Lascar de Celsa, Lascar de Jega. Non, ça c'était fou. Hey, regarde, en fait. Cette mais là, et vraiment, en fait, il faut savoir qu'il parle de... C'est, aujourd'hui, il serait attaqué par toutes les associations des féministes. Ouais. Comment ça et tout, machin. Et en fait, c'était... À l'époque, le rap, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on... C'était... Un moyen d'expression. L'art où, en fait, t'étais contre le système. Enfin, contre le système, contre tout ça. Et en fait, ils ont fait les Ratem les Lascar. Et derrière, ils ont fait une autre chanson qui s'appelle Autopsie avec Doc Gynéco. Avec Doc Gynéco. D'ailleurs, sur la voix, là, c'était Asia, la Asia. Légendaire Asia, on qui chantait ça, le refrain, bien sûr. À l'époque, tous les rappeurs, je pense que... Ils faisaient des feats avec des chanteuses. En fait, il y avait tous les albums, il y avait au moins un feat avec une chanteuse R&B. Mais Autopsie, écoutez le couplet de Doc... Moi qui rêve de team et de vie facile, je descends sur le boulevard. Va observer les clients, j'aurais pu... Tard. J'aperçois d'une zoulette, Il y avait Ministère Hammer, secteur A, derrière un grand manager qui s'appelait Kenzie. Ouais. Moi, l'équipe, c'est très important. Ouais. Et derrière, ils ont créé la famille du secteur A. Tout à fait. Secteur A, Arsenic. Arsenic. Il y avait Pete Bacardi aussi qui a rejoint après. En fait, il y avait tout un groupe Les Nègres Marrons aussi. Moi, je pense que c'est eux, vraiment, secteur A, avec Doc Gynéco, qui ont ramené le rap dans les salons. Dans les Français, en fait, dans les familles françaises, vraiment dans les fans 2 avant, on ne voyait pas fan 2, Hit Machine. Et puis attends, Doc Gynéco, il nous avait quand même sorti le « Viens voir le docteur, non, et pas en fait, pourquoi la fierté des nôtres? Parce que ça fait tellement plaisir de voir, ils sont partis de rien, c'est-à-dire du 95 dans leur studio en bas, vous connaissez, un speaker, un micro, il y a un mec comme Passy, il a monté un label qui s'appelle Bissona Bisso. Ils ont cartonné, ils ont ramené la musique afro-rap un peu, avec tous réunis des gens, l'union. Et voilà pourquoi la fierté des nôtres, Stomy, pareil, Doc Gynéco, pareil. Bon, après, même s'il a eu ses déboires, ça reste un être humain. Où ils en sont aujourd'hui, c'est une vraie fierté. Et encore une fois, je vais finir sur l'effet de... C'est des gens comme ça qui devraient y avoir en maison de 10 pour signer des artistes comme notre gars Trafic NT. C'est ça, parce qu'ils connaissent la musique. Pour les intimes. Mais en gros, là... En fait, c'est eux, les padrés. C'est-à-dire, il n'y a que eux qui peuvent parler de la musique, du rap, qui peuvent connaître la musique, pas comme ce qu'il y a aujourd'hui. Et je pense que c'est pour ça que vous ouvrez vos labels, ce qui est quelque chose de bien aussi. Mais je pense qu'en maison disque, il devrait y avoir un peu plus de gens qui vous ressemblent ou des gens qui connaissent la musique urbaine que d'autres. Mais moi, j'ai envie de dire aussi, parce que tu vois, bon, quand tu parles de ça, moi, je vois qu'il y a un éternel recommencement, un peu comme dans la mode. Quand tu parlais de Passy, il a inventé, bon, c'était un peu l'afro-trap. Aujourd'hui, on dit c'est les gens qui ont inventé ça, mais en fait, non, ils ont juste fait que reprendre et tout. Et en vrai, quelque part aussi, des mecs comme Trafic Inter avec son équipe, qu'est-ce qu'ils font? Ils se disent, voilà, nous, on sait qu'on a envie de dire des choses pour que les gens se reconnaissent parce qu'ils ont le même parcours que nous. On sait que demain, si on chante pas des trucs à deux balles, on passe pas. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils construisent leur propre univers et leur propre. Et en plus, aujourd'hui, vous avez encore plus d'outils. En fait, vous êtes vos propres médias. Ouais. Vous avez les réseaux sociaux, vous avez tout ça. Et franchement, ouais, mais c'est vrai que c'est important de dire que, hey, nous, on le dit tout le temps, on nous prend pour des anciennes. Mais avant, hey, quand t'as acheté un CD, un album, hey, tu le tuais pendant 6 mois parce que tu l'avais acheté, parce que t'avais... Hey, les mecs, ils allaient vendre leur CD à client court. Ils étaient là, vas-y, tiens, la main. Hey, économiser. On était là, on regardait M6 à minuit parce qu'il y avait le top hip-hop, machin. En fait, c'était pas comme aujourd'hui. Il n'y avait pas de musique hip-hop. Il était là, le plaisir, parce qu'on le découvrait. On allait à la... Aujourd'hui... Non, mais en fait, ça m'a toujours dit, j'aime pas dire c'était le... Moi, je pense que quand même, il y a... Moi, je suis fière de ce que vous êtes aujourd'hui. Bien sûr. Moi, ça me fait plaisir quand je vois des... On voit derrière, il n'y a pas de maison de disque, il n'y a rien. C'est-à-dire, vous faites tout seul, vous êtes débrouillard. C'est-à-dire, vous... en fait, quelque part... Vous avez relevé le challenge, bien vous sûr. Vous êtes à la hauteur. Et dommage qu'en maison de disque, il n'y ait pas des gens qui puissent... Justement, on va vous critiquer pour ce que vous êtes, trop gangs. Mais à la base, c'est ça le peurat.
Donc c'est un peu le paradoxe. Moi, en tout cas, j'espère que ça a marché pour vous. Vous êtes bien sûr que ça va marcher. Et voilà, la fierté des nôtres. Voilà, c'est la fierté des nôtres. Merci Lolo. Merci Lolo. Alors du coup, je vais rebondir là-dessus. Est-ce que toi, dans les artistes que tu estimes qui t'ont influencé, qui sont des anciens, est-ce qu'il y a des gens comme ça avec qui tu rêves de faire un feat? Bah là, comme ça... Pas ceux qui sont à la mode là aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des artistes que t'écoutais, tu dis non, vraiment, si je pouvais poser avec lui, ce serait lourd. Franchement, dans les anciens, non. Je vais pas faire le mec, non. Mais genre, des mecs comme Arsenic, des gens qui ont des carrés. Ouais, même dans les carrés, bah, ils sont morts. Hein. C'était plus Biggie ou Tupac, tu vois. Ouais. Après, non, franchement. C'est en fait, je respecte ce qu'ils ont fait, tu vois. Mais là, c'est Trafiquinté, l'artiste. C'est la relève. Il y a plus un feat avec lui, t'as vu? Si on pouvait me cloner, j'allais faire un feat avec moi. Non, vraiment. Mais ça, c'est la meilleure. Du rap. L'ego trip, c'est une discipline du rap. Non, mais ça prouve surtout qu'il a une assurance et qu'il est fier de lui. Parce que, en fait, il est fier de lui, il n'a pas de doute. Parce que vraiment, la pire chose pour un artiste, ou même pour un homme en général, pour un être humain, c'est le doute. C'est de douter de soi-même. Quand déjà, toi, tu ne doutes pas, tu arrives à persuader les autres qui ne doivent pas douter de toi. Donc, tu as déjà fait la moitié du chemin. Tu vois, parce que tu dis, moi, pourquoi je vais douter? Il a dit, moi, s'il faut même. Ça se trouve, même dans son concert, il veut qu'on clone que des Trafiquintés. Tu vois, il veut que, voilà. En tout cas, ça peut être un concept. Hein. Bien sûr. Un masque à tout le monde, masque, comme ça, ça harmonise tout ça. Mais regardez, comment il s'appelle, Travis Scott. Il a fait un truc sur Fortnite. En fait, les mecs, on le regardait alors que le mec, c'est un dessin animé, tu vois. Mais les gens, tous les petits, ils étaient là. Ouais, il y a le concert de... Non. Mais voilà, parce que les mecs, ils sont dans leur trip et ils vont jusqu'au bout. Ça prend le temps que ça prend, mais voilà. Il faut arriver avec son concept. Maintenant, je vais te dire, toi, qu'est-ce que dans le Trafiquinté d'avant et celui d'aujourd'hui qui est là devant nous, qu'est-ce qui a changé? Le mental d'esprit. Après, on grandit tous, tu vois. Que ce soit des mois, des jours ou des années, voilà, on prend en expérience ou on éprouve les épreuves de la vie, tout ça. Et c'est tout ça à la fois qui a changé. Hein. Le monde, il avance. Hein. Alors, quelle est la partie de ta vie ou l'époque de ta vie que tu l'élément de ta vie où tu regrettes avoir eu un doute? Est-ce qu'il y a un moment dans ta vie où tu as eu un doute et tu regrettes à ce moment-là d'avoir eu ce doute? Ouais, il y en a eu plusieurs, si je dis que un, et je me souviens de celui-là, tu vois, il y en a eu plusieurs. Après, un qui m'a marqué spécialement, non. Mais après, c'est ces doutes-là qui ont fait que j'ai pu trouver les réponses et j'ai pu m'améliorer. En fait, je remercie même d'avoir eu ces doutes. Il y en a eu plusieurs, je ne peux pas t'en citer un, mais c'est ça qui a fait que maintenant, j'ai plus de doutes. Il y en aura toujours, tu vois. Mais dans l'essentiel, non. Alors, je vais reprendre une phrase de Niska qu'il a dit dans une de ses interviews. Il a dit, quand on réussit, en fait, c'est là qu'on se rend compte qu'on n'a pas vraiment d'amis. En fait, c'est-à-dire que s'il y a des gens, quand tu réussis, ils ne sont plus avec toi, c'est qu'en réalité, ce n'était pas tes amis. Est-ce que toi, il y a des moments dans ta vie où tu as ressenti ça? Bah, moi, déjà, pour moi, je n'ai pas encore réussi, tu vois. C'est, peut-être vous voyez comme si j'ai réussi, mais pour moi, je n'ai pas encore atteint. Ouais, parce que tu as un... Voilà, bien. C'est vrai que j'ai vécu quand même une part de gloire, on va dire. Ouais. Mais voilà, non, franchement, les amis, après, en vrai de vrai, avec le succès, peut-être, je ne sais pas, il y a des conflits. Mais tu as bien vu, est-ce qu'il y a eu des changements? C'est vrai que tu as eu un gros buzz. Est-ce que tu as eu des changements? Est-ce qu'il y a des gens qui te regardaient autrement? Bah moi, autour de moi, vu que les gens ils savent de là où je reviens, ça veut dire que j'ai que des gens bienveillants autour de moi. Après, on en et du respect, pas en fait. Voilà, il n'y en aura pas toujours. Mais pour le moment, tu vois, voilà, avec mes habits, ça se passe super bien. Ou mes proches, tu vois, il n'y a pas vraiment de... Après, ça doit venir, en fait. Hein, tu vois. Alors, vas-y. Franchement, je me permets de... En fait, ce que je ressens chez toi, quand tu parles, c'est-à-dire, c'est vraiment quelque chose de réfléchi. C'est-à-dire, tu vois le verre plutôt à moitié rempli qu'à moitié vide. C'est-à-dire, même, on va te mettre dans des angles où, c'est-à-dire, tes expériences négatives, tu arrives à en faire une force. C'est ça. Et ça veut dire, toujours, tu rebondis sur quelque chose de... C'est-à-dire, tu te dis, t'es arrivé ça, c'était pour ça. Et franchement, on ressent, en fait, cette certaine sérénité en toi et cette positivité. C'est très... Au lieu de te mettre en position de victime,
au contraire, tu es là, tu dis, hey, si ça arrivait, c'est pour quelque chose. Fonce. Non, totalement, parce qu'aussi, il ne faut, faut pas oublier que voilà, on a pas grandi dans les meilleures conditions possibles, étant enfant, et qu'on a connu la pauvreté. Ça veut dire qu'après, on remercie d'être ici, on comprend les efforts de nos parents et tout. Ça fait que, voilà, on sait qu'on a grandi, tu vois. Et alors, je vais essayer, enfin là, je te titille un peu, mais c'est parce que c'est quelque chose, moi, quand je suis allée voir ton clip Trapping Hugo, en fait, ce qui m'a choquée, je regarde toujours les commentaires, moi, un petit peu, les premiers commentaires. Et c'est vrai que j'ai été un petit peu, pas choquée, mais je me suis dit, c'est quand même bizarre et tout, parce que les premiers commentaires, c'était tous, ouais, mais il est où Niska? Ah, je croyais que Niska, il serait là. Ouais, mais c'est nul s'il n'y a pas Niska. Est-ce que c'est pas quelque chose, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, te dire de te détacher, mais est-ce que t'as pas peur de ça vraiment, que ça te, parce qu'on te on va toujours te mettre avec lui, on va toujours te comparer. Et moi je me suis dit, mais en fait, même très franchement, bon, Niska il est passé à autre chose, il est passé à un autre niveau, je sais que tu le dis souvent, vous êtes restés des frères, mais moi en fait je trouve que vraiment ce que t'as ramené, le franchement, ce son, il a un truc qu'on n'entend plus vraiment, c'est t'as plus de son de rap où tu bouges, à part s'ils mettent un petit peu de trucs derrière là. Mais est-ce que c'est pas gênant, en fait, c'est pas décevant de travailler, de faire un truc, et des premiers trucs comme ça, c'est dire, ouais, mais il est où Niska? Genre, on dirait que t'existes que quand il y a Niska. Bah, déjà, par rapport à ça, moi, je suis quelqu'un, j'accepte la critique, tu vois, parce que il faut qu'on critique, je dois accepter la critique pour voir mes erreurs, ou voir ce que, tu vois. Et après, par rapport à ça, peut-être ces fans-là, ils s'attendaient à le voir sur sa chaîne, c'est normal, c'est ça, parce que juste avant que moi, je sorte mon clip, on va dire, il y avait mon frère Madran ou Briggy. Et lui, il n'avait pas un encore balancé. Un drame très fort aussi. Hein. Ça veut dire qu'il n'avait pas encore balancé de clip. Ça veut dire qu'il était attendu, tu vois. Je ne prends pas ça comme un truc comme, ouais, tu rappes pas bien. Ou, tu vois, c'est plus, il te demande, il est où, c'est normal, c'est sa chaîne. Et, mais sur mes prochains clips, par contre, ce sera sur ma chaîne. Je ne pense pas que tu vas voir ce genre de messages. Ouais. Mais c'est aussi, mais en même temps, à contrario, c'est une façon aussi, et pour toi, et aussi pour ton ami Niska, de dire, voilà, il n'y a rien qui a changé, en fait, c'est mon gars. Parce qu'en fait, tu aurais pu effectivement choisir de mettre ça sur ta chaîne. Et je trouve que c'est un beau message, en fait. C'est de dire, voilà, c'est pas parce que moi, je suis pas là. En fait, c'est une grosse force, en fait. Ouais, ben c'est voilà. Qu'il te soutient toujours. Si, toujours. On est toujours en contact. C'est un bon ami à moi. Et voilà, on se souhaite que du bonheur l'un l'autre. On se pousse, voilà, on se serre les coudes, quoi. D'accord. Et ben voilà, c'est ça. Donc, il n'y aura pas de clash, Niska, Traficante. Faut pas chercher. Ah, arrêtez. Voilà, c'est ça. Mais c'est ça, en tout cas. Voilà. Bon, moi, je trouve ça. En fait, tu disais que. Moi, ce que je trouve, c'est pas qu'il ait réfléchi, c'est que je trouve qu'il est dans son personnage, dans les clips, mais je trouve qu'il y a une vraie émotion, il y a quelque chose d'authentique qui se dégage de toi. On sent que, ouais, tu fais le méchant, on sent que t'es quand même quelque part quelqu'un qui a des principes, tu vois, c'est-à-dire qui a du respect, qui va quand même faire les choses d'une façon, tu vois, bien organisé, c'est-à-dire, t'as parlé tout à l'heure, j'essaie un peu de le titiller, dire, ouais, mais les potes et tout, non, en fait, il dit, les potes, en moi. Et c'est vrai qu'à la base, ceux qui croient en toi, c'est eux, c'est ceux qui sont là en premier, en fait. Mais c'est peut-être une espèce de sagesse, justement. Tu disais que tu as dû te retirer pour des raisons personnelles, apparemment très difficiles. Ouais. Peut-être que ce temps-là, justement, t'as donné le temps de la réflexion et d'évoluer aussi bien artistiquement que humainement. Ouais, voilà, c'est ça. Ça m'a donné le temps de réfléchir. Après, c'est des épreuves dures, tu vois. J'ai pas envie de m'attarder dessus, tu vois. Mais voilà, ça m'a fait réfléchir pendant un moment. Et je savais que quand je sortais, avec la pression des proches et tout, que voilà, il fallait que je revienne vraiment motivé avec mes convictions, tout, tu vois. C'est vrai, c'est une marque d'intelligence de savoir se retirer au bon moment, de dire voilà, là je peux plus, j'ai plus la force, je peux plus gérer tout ça, je pars, je laisse le temps, je laisse les choses couler et je reviens. Ouais. Si je peux me permettre. Non, tu ne peux pas. Parce que là, vraiment, j'en ai marre. Je dis, oui, je peux, non, tu ne peux pas. Non, parce qu'en fait, vous parliez de Niska, de machin et tout. Super, hein, bien, t'as talentueux et tout. Mais en fait, justement, c'est ça que moi j'essaie de retransmettre. Le concept du hip-hop, du rap, c'est tu viens d'un quartier, la solidarité. Normalement, après moi je le connais pas, je sais pas ce qui se passe entre vous, pardon, hein, je vais juste donner mon avis extérieur, c'est que en fait normalement là où il est, vous devez être là, c'est ça en fait, quand tu commences avec ton crew, en fait c'est ce qui s'est passé avec des secteurs 1, c'est ce qui en fait à l'époque, c'est à dire tes gars jusqu'au bout, après chacun il fait sa carrière solo, mais tant qu'on n'est pas arrivé tous en haut,
Après, je vais pas. D'ailleurs, en parlant de solidarité. Je vais pas faire de palabres ou d'histoire, tu vois. En parlant de solidarité. Justement, qui a dit qu'il n'y a pas la même. Nous, on a juste posé les questions. Ce que je veux dire, c'est que là où il est, il a fait un feat avec Booba, il a fait un feat. On va pas se mentir, on connaît tous l'envers du décor. Eh, tu ramènes des gars, c'est comme ça. T'as vu? Moi, après, moi, moi, j'ai connu ce rap-là à l'époque où même quelqu'un, il était éclaté. Hein. C'était pas un bon rappeur, mais comme c'est mon. Eh, il vient, c'est mon gars, il vient. Tu vois, c'est comme ça. En plus, toi, t'as du talent de ouf. Mais grave. Après, je sais pas, moi, je comprends pas. Moi, j'ai toujours. Eh, moi, vraiment, dès les premiers morceaux, j'ai toujours trouvé que t'avais un talent de dingue. Bon, le gars. Et je voudrais juste faire un gros big up parce que tu parlais de solidarité à Kissy. Parce que nous, en fait, à partir du moment où on a reçu Kissy avec Zetsu, en fait, il nous a toujours envoyé ses gars. Il nous a envoyé Jody Reefer, il nous a envoyé Don Diego. Maintenant aussi. Et c'est ça aussi la force, en vrai. Parce que Traficante, en vrai, la dernière fois, il est venu. En fait, il est venu en tant que pote. Ouais. En fait, il est juste venu accompagner son pote. Nous, on a dit, bon, on va profiter un peu. Je t'en fais qu'un thé, mets-toi là. Et franchement, il nous a dit, voilà, la prochaine fois, je reviendrai. On aurait pu dire, ouais, il va parvenir. Il est revenu, tu vois. C'est une façon aussi de dire merci pour la force. En fait, je trouve qu'il y a un vrai... solidarité. Une vraie solidarité et que vous recommencez un peu les petits d'aujourd'hui, vous recommencez un peu à donner cette force là entre quartiers. C'est j'ai un plan, vas-y, je te ramène. T'as un plan, vas-y, je te ramène. Et franchement, je lui fais un gros big up parce que c'est vraiment un mec génial et qu'à chaque fois, voilà, il me demande toujours est-ce qu'il y a moyen, il y a moyen et je lui dis il y a pas de souci. Donc Kissy. Ouais. Si tu nous ramènes encore des gens comme ça, il y a pas 9-1 là. Voilà, faut nous ramener le 9-1. Et c'est vrai qu'on l'a toujours dit, le 9-1, vous avez une empreinte bien particulière. Excellent. Et là, vous revenez avec des sous. Et Jody Reefer, il était tellement excellent. Zetsu. Voilà, et franchement. Aussi, moi, ce que pardon. Non, parce que j'aime bien, en fait, j'aime bien le. Non, si tu veux, tu t'assois même ici une fois et puis c'est tout. En fait, j'aime bien le gangli. Parce que quoi, c'est-à-dire quand tu regardes. Moi, j'aime bien l'authenticité. Ouais. C'est-à-dire, tu regardes un peu clé de Traficante, tu vois Don Diego derrière, il est là, il joue le jeu. Et tu sais ce que je kiffe? C'est pas genre, moi je suis la Rosta, non, big up à Don Diego, mon gars, sûr. Parce que moi, je l'ai reçu en tant qu'artiste. Et en fait, là, j'ai pas l'impression de voir l'artiste. Non. En fait, j'ai le poteau, en fait, le manager, en fait, il sait se retirer. Ça veut dire qu'il aurait pu venir dire « Well ». Et franchement, ça, il y a vraiment, même Kissy, quand il est venu avec Zetsu, Kissy, tu le vois pas. C'est-à-dire, c'est son artiste qui est là. Alors que t'as des gens, ils viennent ici, ils veulent même des places avec leur manager, ça parle des labels, ça parle des tout. On peut en parler, y a pas... mais vraiment, si vous pouvez garder cette solidarité, vous allez vraiment... Restez soudés, les gars. Vous aurez la force. Il y a une vraie maturité. Il y a une vraie maturité. Mais à travers ce que tu disais tout à l'heure aussi, on voit que tu as du vécu, effectivement, que tu as pu vivre des choses assez difficiles qu'on ne retrouve pas forcément dans les textes que tu chantes. Parce qu'on a l'impression, en fait, que tu mets tout ça de côté et que tu veux promouvoir quelque chose de différent. C'est pas qu'en fait, je ne mets pas encore dans mes textes. C'est que, justement, dans le projet que je veux sortir, il y aurait des sons bien détaillés et tout, à plusieurs thèmes. Mm-hmm. Et là, j'aurai le temps de bien... Mais est-ce que tu es vraiment libre? Qui écrit? C'est moi, ouais. C'est moi. Vraiment ouais, toi. Si, c'est moi. D'accord. C'est moi. Appel masqué. Appel manqué. Il ne faut pas masquer mes appels. Hein. Demain, quand je vais vous appeler, il ne faut pas masquer. Okay. En tout cas, on est toujours en direct sur IRM.radio, en live sur Twitch, évidemment sur C Direct. Donc ce soir, on est avec Traficante, on est avec le gangli Don Diego. On est là ensemble. Bang, bang, bang. Gangli dans la maison. C'est le feu. Gade. Oui, et gardez-lui, mais il est parti déjà. Il est plus... t'es avec nous? Il est là, il me regarde. DJ Erdi, comment ça va? DJ Erdi, on a trop parlé ce soir. Ce soir, il y a fit ou pas fit? Non, mais c'est ça. On a... Mais j'attends d'abord que DJ Erdi soit là avec nous, qu'il nous fasse ses petits doigts d'eau. Voilà. Alors. Toujours masqué. Voilà, toujours masqué. Comme vous le savez, tous les samedis, elle est avec nous. C'est Éléonore. Vous savez maintenant son légendaire fit ou pas fit. Hein? Est-ce qu'il y a fit? Non, on va voir. On va voir s'il y a fit ou pas fit. Don Diego, toi, tu penses qu'il y a fit ou fit? Il n'y a pas fit. Et il s'en était bien sorti, non? Oui. Ah, il avait déchiré le fit ou pas fit. Il a dit vite fait. Donc, bah, explique-nous ton concept. Hein. Bon, avant d'expliquer le concept... Je veux le... Y'a fit ou y'a pas fit? 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 Ramène-moi le mic. Chez moi, pas d'arrogance, mais tellement d'audace.
Mes talents ramènent mon talent. Mon flow s'est posé sur ton salon. En aparté, sur moi tu te braques. Je suis canon. Tu veux du sale, ramène-moi le mic. Chez moi pas d'arrogance, mais tellement d'audace. Mes talents ramènent mon talent. Mon flow s'est posé sur ton salon. En aparté, sur moi tu te braques. Je suis canon. Alors, entre parenthèses, la kickeuse qui est canon, c'est qui? C'est Stélina! C'est qui? C'est Stélina! Elle va faire un succès que sur un jingle. Ouais, c'est Stélina! Toute une carrière sur un jingle. C'est pas mal. Traficante qui veut manger les bonbons là. Tu voulais des bonbons tout à l'heure. Me dis, c'est mes bonbons préférés, je ramasse tout. J'ai une question à te poser. Yes. Ça va? Ça va et toi? Dis-moi. Il y a un fils ou il y a un pas un fils? Il y a un fils. Bon, je vais t'expliquer le concept de ma chronique. Vas-y. Donc, je m'appelle Éléonore. Oui. Je suis chanteuse de variété française, d'accord? Seulement, tous les samedis, je me transforme en kickeuse internationalement connue nulle part. Et quand on dit nulle part, c'est vraiment nulle part. En fait, c'est entre la ligne 4 et la ligne 12, tu vois. Il n'y a pas de bouchon. Voilà. Et je change de blase. Je m'appelle Lil Girl Flow parce que je suis une girl et que j'ai du flow. Yeah, c'est ça. En tout cas. Elle a sorti les voix. Elle a sorti la skate car. Tu connais la pochette. On peut pas être rappeuse, on n'a pas de petite pochette. C'est là qu'il y a les bails, tu vois. Il y a trois poches. Elle a du bif. Elle a pris du bif, elle a, ça se voit. Donc, faut pas sortir les bails ici comme ça, vous aussi. Donc, j'ai sorti une petite instru pop chill, assez tranquille, d'accord? Et en fait, ce qui se passe, donc, j'ai écrit un texte de mon crew avec deux, trois mots qui font référence à toi et à ton crew. Donc, moi, je vais kicker le premier couplet. Et toi, c'est pas dès que t'es prêt, je dis dès que t'es prêt. Pas dès que t'es prêt, dès que moi, j'ai fini, en fait, tu fais ça. Et on va voir s'il y a fit, il y a pas fit. Mais comme tu m'as dit que tu es gourmand et que je suis généreuse... Je vais te donner des bonbons. D'ailleurs, c'est pas moi qui vais te donner, c'est Stélina. D'accord. Je sais qu'elle a la main donneuse, tu vois. Donc, elle va te donner tout ça. Ça va faire une Elle donne en soi. Elle donne. Et tu vas kicker avec les bonbons dans la bouche. Ça te va? Et c'est moi qui dis à chaque fois qu'au moins je rajoute. Mais je voudrais faire quand même, je voudrais dire quelque chose, c'est que là, parce qu'il y en a, ils esquivent trop le fit ou pas fit. Ça veut dire qu'après traficanté. Ça veut dire James, tu vas enchaîner. Ça veut dire Faiza, tu vas enchaîner. Je m'en fous, vous dites même caca. Même toi, tu vas enchaîner. Voilà, tu vas te mettre à côté de ton gars. Tu vas enchaîner. Tout le monde va enchaîner. Hein. Et un jour, DJ RG, toi aussi, tu vas enchaîner. Grave. Ouais, non, franchement, DJ RG, il a fait un texte. Vous êtes il a fait un truc bien. Hein. Donc, c'est parti pour le fit ou pas fit. Bang, bang. Charo. Méchant. On parle un peu plus fort. Ok. Rap side, plus fort. Rap side. C'est pas cette. C'est pas trop cette musique. C'est pas celle-là? C'est pas grave, les bras. Tu me regardes d'en bas, je te regarde d'en haut. Comme d'hab, c'est pas nouveau. Ouais, j'étais pas dans le game. Je te connais à l'ancienne. Toi, t'as la même dégaine. Et tu la défaite, mais tu connais le gangli. Ça bosse comme les lentilles. Ici, je sais pas si t'es sorti, mais moi je m'en suis sorti. Répute de schizophrène, à 24 ça s'entraîne. Ta répute à la traîne, je vois tes putes qui traînent. Tant wesh denga, j'ai changé de chaîne, ouais, j'ai changé de naine. Dans le bank, c'est comme jamais. Tu me parles de Doria, j'ai lavé mon karma. Tiens bébé. Ouais je le vis. C'est ce que je dis. En effet, c'est pas la bulle. Dans la mule, les barrières. Ne prends pas le i, ne tape pas la joue, ne prends pas les coups. Tout ça, je n'ai pas des doutes. Quels sont, dis-moi, c'est ça. Ne prends pas les coups. Quels sont, c'est ça. Ok. Et gros big up pour trafiquer.
qui enchaîne, qu'est-ce qui enchaîne? Moi je refais un petit truc. Oh, ok. Songez. Est-ce que vous êtes là ou pas? On est là. C'est parti. Ok. Tout le monde avec moi. Ça fait. Ok. Songez à la dépense que te coûte l'envie de me voir plonger, pencher sur tes arguments pour me mettre en danger. Ceux qui pratiquent la chance ne passeront jamais pour des anges. Si tu obtiens des ailes, crois-moi, elles ne seront jamais blanches. Y'a trop de mythos psycho dans notre putain de milieu. Trop se disent alors que nulle part ils n'existent. Y'a trop de mythos psycho dans notre putain de milieu. Au milieu de tous ces gringos, j'arrive comme une putain de skive. Combattre ma vie n'empêchera jamais ma réussite. Incanté la nuit, c'est à toi que parleront les esprits. Tu rêves de me nuire, je laisse ce combat entre les mains auxquelles j'ai confié tous mes désirs. Y'a trop de mythos psycho dans notre putain de milieu. Trop se disent alors que nulle part il n'existe. Y'a trop de mythos psycho, Lolo va dire la vie de c'est parti Lolo. Ce soir on est sur Rapside avec Gava. Je suis avec ma Gustelina C'est parti. Ne vous regardez pas. Je suis au l'équipe Rapside. Ok. Allez. DJ RG, il est venu méchant. Bang. Alors, non, franchement, c'était lourd. Hein. Vous le savez, non, franchement, c'était lourd. On est vraiment contents. Là, tu peux. Franchement, c'est toi qui as fait que DJ RG chante. Non, vraiment. Là, c'est lourd, lourd. En tout cas, vous savez, on est là jusqu'à 23h. Il nous reste encore quelques minutes. Et bien sûr, on va s'écouter, on va se quitter avec le ganglime. On va. Vous savez quoi? Je veux qu'on foute le bordel. Il faut qu'on foute le bordel. T'as vu, Trafic, je voudrais que t'ailles là. Tu vois, tu te mets debout. Comme ça, tout le monde va se lever. Voilà. Hein, mets-toi là. Comme ça, tu te mets là tranquillement, au micro. Vous savez, nous, on va. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'était pas trop sur. Des fois, ça nous arrive. On néglige un peu nos auditeurs. Mais vous savez, de toute façon, on est là toujours avec vous. Mais c'est parce que vraiment, on avait hâte d'en savoir un petit peu plus sur Traficante. Ça faisait un moment qu'on ne l'avait pas vu, qu'on ne l'avait pas entendu. On est ravis de le revoir. Je vais juste te poser la dernière question. Alors, le feat, tu nous as dit. Bon, le feat de ta vie. Voilà, pas un... la personne avec qui tu aimerais faire un feat. La personne avec qui j'aimerais faire un film. Peu importe, américain, français, ouais. Je vais plus dire aller Youssou N'Dour, artiste sénégalais. Bien joué. Et puis, la salle de concert de ta vie. Bah, Bercy.
Quand j'étais avec Ah, excuse-nous, pour... excuse-nous. Mais moi, personnellement, tu vois, j'aimerais bien le faire que moi. Et ben voilà, et ben moi, je pense que c'est tout le mal qu'on peut lui souhaiter. Je sais qu'il va le faire un jour parce qu'on sait que. Qu'est-ce que j'ai dit ? C'est tout le mal que. Qu'on lui souhaite un jour. Ah, d'accord, non, c'est tout le mal qu'on lui souhaite. Et en tout cas, voilà, on était vraiment ravis. On te remercie de nous avoir fait cette exclusivité. Don Diego, merci. Mon gars. On est là. Ici Paradise, merci. Gros big up au 9-1. Franchement, le gangli, merci d'avoir été avec nous. Évidemment, bien, tu te mets là, tu te mets là. Merci aux invités qui étaient là. Bélissa, viens dire au revoir au public parce que tu ne seras plus avec nous. Oh. Voilà, elle a d'autres shows, elle a du business à faire. Donc voilà, elle est là avec le poteau. Il y avait aussi Aïssa qui était là avec nous ce soir. Gangli, donc, voilà. Et on vous kiffe sur Rapside. Faites tourner, parlez de nous. Abonnez-vous à la chaîne rapside.irm sur Insta. Bah, faites tourner et notre force, c'est vous. Et là, ce soir, on va foutre le feu pour finir avec qui Traficante. Ok, tout le monde debout, c'est parti. Ok, hey. Oh. C'est parti, gangli. Bang, bang, ok. Je mets ice, je mets lingo. Oh, j'ai de la place. Quand j'arrive avec mon gang, pas pour jouer au cas. Hey, hey. Je ne parle pas en si, avec des si je te refais le monde. Je t'ai pensé à ma guise, tant que la mif est à l'abri. Je tine, tu dis, avant midi faut que ça kill. Tu lignes, tu dis. Igo je bois jour et nuit. T'es ma mais aïe sans gêne. C'est ça. T'es ma le flou, pas j'ai chat bourré, platinum. Y'a la qualité, t'es ma le tapé. Tu brilles dans la nuit, comme les phares du classe. Traficante, t'es avec nous ce soir dans le de la place. Ok. J'arrive avec ma squad. Pas pour jouer au cas. Ok. Ice. J'ai mis Lingo. Pas pour jouer au cas. Ok. J'ai vécu ça. J'ai pas eu le choix. Bang. Entouré de bras. Hey. En l'espace, je crois. Hey. Il me reste une. Je suis une balle pour. Ok. J'ai fait le pire manga. Dans mes cauchemars, je fais du mal. J'ai fait le pire manga. Dans mes cauchemars, je fais du mal. C'est ça. Je sais d'où je viens. Hey. Traficante. Hey. Gangli. Gangli. Je mets Lingo. Lingo. Fais de la place. Hey. Lingo. Hey. J'arrive avec ma squad. Hey. Lingo. Lingo. Je mets ice, je mets lingo. Fais de la place. Oh. Il a j'arrive dit. Avec ma squad. Hey. Pas pour jouer au cas. C'est ça. Ok. Hey. Je dis ice, hey. Je dis lingo, hey. Je mets ice. Je dis lingo, hey. Je dis ice. Je dis lingo, hey. Je dis ice. Je dis lingo, hey. Traficante, 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 hey. Je dis ice, hey. Et vous dites lingo, hey. Je dis ice. Hey. Et vous dites lingo, lingo. Hey. Je dis ice, hey. Et je dis lingo, lingo. Hey. Je dis ice, méchant, et je dis lingo, méchant. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. Bang, bang, gang, gang. On était ce soir avec Traficante. Hey.